On commence. Benjamin ? Alors, on va commencer. Bonsoir, vous toutes et tous. Alors, je vais procéder à l'appel. Michel Noaille est présent. Martine Soavi aussi. Oumar devrait arriver. Elsa Touré est là, je la vois. Rénal Jourdain est présent, Assa devrait aussi arriver, Frédéric Piau est présent, Sophia Louz est présente, Oscar Segura est présent, Fadila Churfi, elle est là, Pierrick Gautreau est là, Italia est là, Sylvain Renard, il est là, Pascal Prigent est là aussi, Hichem Boukouba, il va arriver, je vais être avec lui cet après-midi. Il est en retard, il arrive, d'accord. Françoise Lopez est présente. Frédéric Bourge est présent, Hélène Pavamani aussi. Jacques Picard est présent. Monia est présente. Clotaire Bonzi est présent. Daniel Leguet est présent. Alama est excusée, elle a donné son pouvoir, des petits soucis de santé à Clotaire Bonzi. On souhaite un bon rétablissement à Alama. Il est au travail. Francis, il a donné son pouvoir à Benjamin Ledroux-Maguet. Claire Jubin est présente. Diana est présente. Fatima, l'Allemand, doit être présente. On est arrivés ensemble. Comment ? Elle est là. Hein. Elle est là, parce qu'on est, elle est dans la maison. Maxime Podolac est présent. Clémence, n'est pas encore arrivée. Benjamin Ledroux-Maguet est là. Jenna n'est pas arrivée. Animalite, je ne sais pas, je vois personne du groupe, je ne sais pas. Pascaline, Frédéric, Sylvie, Jean-François Bell ne sont pas là. En tout cas, pour l'instant, ils ont, il n'y a pas. Pascaline, par contre, est là. Excusez-moi. Non. Voilà. Et Sylvie Capron sont là. Excusez-moi, non, parce que vous avez toute une. Pas de problème. Donc, je répète, il y a bien Pascaline, il y a bien Sylvie Capron. Éric Breton est là. Il a le pouvoir de Volcan. Samira Ketfi est présente. Alexandre Marin nous rejoindra peut-être. Régis Caudron n'est pas là. Et Jean-Luc Raymond. Il a le pouvoir à. Donné à Samira Ketfi et Jean-Luc Raymond n'est pas là. Vous avez le pouvoir à Pascaline, de Jean-Luc. Très bien. C'est parfait. Donc, et Oumar, a priori, sauf s'il arrivait après le travail, a donné son pouvoir à Assa qui va arriver. Oui. Marche le quorum. Donc, on va nommer Pascal Prigent, secrétaire de séance. Hein? Super, merci de t'être proposé, Pascal. Et voilà, allons-y. Donc, des remarques sur le compte-rendu des remarques, non, sur le dernier compte-rendu. Qui s'abstient? Donc, avec vos pouvoirs, on va dire l'ensemble de l'opposition, du coup, puisque... Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que je dis l'ensemble de l'opposition, a priori. Des présents et des pouvoirs. Ah non, Jean-Luc aussi s'abstient. Attendez, prenez le micro, parce que du coup, on ne vous entend pas, Pascaline. Non, mais... S'abstient
Oui. Oui, et Jean-Luc Raymond, non, il vote pour. Hein, il vote pour, voilà. Mais, voilà. Très bien. Avec le micro, c'est parfait. Merci, Pascaline. Donc, comme d'habitude, nous commençons par Sylvain Renard. Allons-y, on a une vingtaine de points ce soir. Je salue les corbeillers saunoises et les corbeillers saunois qui nous regardent. Donc, premier point, Sylvain, allons-y. Ah. Voilà. Ah, monsieur Breton. Pardon. Prenez le micro, si vous voulez intervenir, c'est mieux. J'en ai pas pour longtemps. Bon, écoutez, tu peux... Rapidement. Allez-y. Ah, merci, monsieur. Nous sommes des grands démocrates. Oui, comment démarrer ce conseil sans évoquer les violences urbaines et puis les incendies qui touchent notre commune et particulièrement le quartier des Tarterets. J'ai vu que donc le 23 mars, il y avait eu quand même quelques violences urbaines et puis tous les bungalows ont brûlé. Excusez-moi, oui. Monsieur Breton. Non, parce qu'il y a une question. Vous avez posé des questions là-dessus, donc on va y répondre. Vous voyez, c'est parce que on va y répondre. Il y a une question, non, il s'agit de censurer okay. Personne. Hein, et on a prévu une réponse très précise sur ces questions, donc vous serez satisfait à la fin du conseil. Ça me paraît plus juste que si on pose des questions au début, là, on fait vraiment preuve plus que de clémence. Voilà. Du coup, Sylvain peut reprendre. Là, le point 1, c'est toujours donc, les informations sur les décisions du maire. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, il convient de rendre compte à l'Assemblée délibérante des décisions que vous avez prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le Conseil municipal. Donc, les décisions sont, comme d'habitude, listées dans le dossier, en annexe. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette information. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Bonsoir à tous, merci pour la parole. J'ai quelques remarques en effet sur ces décisions. La première sur la décision 2022-25 sur la mise en place de la résidence d'artiste de M. Abou Diarra. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une mutualisation avec la ferme du Bois-Briard, puisqu'il s'agit, j'imagine, d'une compétence culture, et donc la culture est une compétence de l'agglo. Donc pourquoi est-ce que nous ne faisons pas une mutualisation avec l'agglo qui accueille en résidence des artistes à la ferme du Bois-Briard et qui relève donc de Grand Paris Sud ? Donc ça, c'est ma première... Et je suis assez étonnée du fait que nous prenions en charge notamment... les charges de sa résidence. Habituellement, nous mettons à disposition un logement et le locataire a à sa charge les fluides qu'il utilise. Et ça paraît normal, ça évite déjà le gaspillage parce qu'il part en laissant le robinet ouvert. En fait, c'est les corbeillers saunois qui vont payer. Hein. Bon, je pense que c'est quand même habituellement différemment fait. Une autre question concernant la décision 2022-33. Concernant toujours l'attribution d'une convention d'honoraires aux avocats à 230 € hors taxes et 276 € TTC pour la SELARL Gaïa. Donc comme habituellement, toujours le même cabinet d'avocats, toujours les mêmes frais très élevés par rapport à ce qui est habituellement pratiqué dans toutes les communes de France. Donc je suis toujours surprise de voir ce montant, notamment le plafond de 39 999 € hors taxe, qui vous permet de ne pas mettre en concurrence, et donc, bon, il manque peut-être les 0,99 centimes, qui voilà, vous permettraient d'être juste en dessous des 40 000 €, hein, tant qu'on y est. Voilà, moi, j'ai entendu en parallèle que vous recrutiez un juriste. Je pense que c'est une bonne chose pour nous éviter d'avoir ces coûts, puisque visiblement, vous avez de nombreux conflits, ou en tout cas des nombreuses affaires judiciaires en cours. Et la dernière concerne la décision 2022-41 sur la consultation pour la mission d'étude pour l'opération rénovation thermique de 15 bâtiments. En fait, je suis surprise que cette étude, qui est une très bonne chose, ne concerne qu'une quinzaine de bâtiments pour un montant toujours en dessous de 40 000 €, hein, bien sûr, qui évite la mise en concurrence. Nous sommes bien à 39 900 €.
Et pourquoi ne pas avoir fait une mise en concurrence pour nous permettre de bénéficier des meilleurs prix et d'avoir englobé un peu plus de bâtiments, puisqu'il me semble que la ville possède environ 200 bâtiments, et ce qui nous permettrait de pouvoir avoir des économies d'échelle sur ce type de marché, plutôt que de les passer au coup par coup sur des montants qui vous évitent de les mettre en concurrence. Merci. Si Sylvain, on est d'accord sur Abou Diarra, ce grand musicien qui nous fait l'honneur d'habiter Corbeil-Essonne. Oui, je peux répondre par rapport à Abou Diarra. Donc effectivement, on a créé une résidence d'artistes ici à Corbeil-Essonne. Alors la culture, c'est pas que la compétence de l'agglo, en fait. On a aussi une compétence culture sur la commune. On a quand même un conservatoire, on a une médiathèque, on a différents équipements qui... Voilà, on a des actions culturelles aussi. Donc bon, peut-être que vous ne le saviez pas, mais en tout cas, on a vraiment toute une compétence culturelle. Et pour faire vivre le conservatoire, pour l'ouvrir aussi sur d'autres répertoires, et dans notre objectif de valoriser les cultures du monde, on est la ville-monde, et c'est quelque chose qu'on veut vraiment transmettre à travers nos actions culturelles. Donc on a eu l'idée et la grande chance de pouvoir accueillir Abou Diarra pour 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il va sillonner la ville, il va faire des interventions. Il a déjà commencé en centre de loisirs. Il va avoir tout un programme sur 2 ans. Moi, je pense que vraiment, avoir un artiste de cette qualité-là pour qu'on va juste loger, finalement, bon, je pense que peut-être qu'il est un peu comme tout le monde. Et je pense que quand il finit de se brosser les dents, il éteint le robinet après. J'imagine. Enfin, donc, bon, moi, je vois vraiment pas comment. Enfin, je sais pas à quel moment on a envie de gâcher de l'eau, tout ça parce qu'on la paye pas. Enfin, je sais pas. Ça me paraît quand même absurde comme remarque. Mais en tout cas, on est très fiers d'avoir Abou Diarra et vraiment, on va avoir la chance de le croiser plusieurs fois dans tous nos événements culturels et vraiment, moi, j'en suis très très fier de l'avoir. Et d'avoir une vraie politique culturelle sur la ville de Corbeil-Essonne. Monsieur Noailles, oui. Un petit élément. Attendez, on vous répond encore. Oui, non, mais je n'ai pas la réponse à ma question, en fait. Est-ce qu'une mutualisation a été étudiée? Étant donné que notre conservatoire est encore est municipal, et pour l'instant, donc il n'y a pas de raison, si le conservatoire reste municipal, il est rattaché au conservatoire, donc pour ses actions du conservatoire, donc... Non, il n'y a pas la question de la mutualisation ne se pose pas pour l'instant. Monsieur Noailles. Oui, et pour compléter les propos de Oscar Segura, depuis que Abou Diarra est en résidence, il intervient dans les crèches, à la grande satisfaction des personnels, des enfants et des parents. Il intervient dans les centres de loisirs et il va intervenir dans un événement auquel j'invite tout le monde, le 2 juin après-midi. Lors d'une initiative dans le cadre de la cité éducative portée par les papillons blancs, dans laquelle la ville est très partie prenante également, dans une grande initiative inclusive avec des résidents de nombreuses fondations relevant du handicap, de l'éducation nationale, le foyer Charles-Antonsard, le CCAS. Et Abou Diarra sera là pour à la fois animer des ateliers d'initiation musicale, mais aussi de produire un concert en fin d'après-midi avec son groupe. Donc moi, je suis extrêmement heureux, mais je ne suis pas le seul à être heureux. Les personnels qui profitent de la compétence et de l'enthousiasme d'Abou Diarra sont également très heureux. Voilà. Donc on retiendra que Corbeil-Essonne accueille l'un des plus grands musiciens maliens de notre planète et que... ça mérite bien mieux comme considération que des histoires d'eau, quoi. Il faut être un peu sérieux. Donc rendons hommage à Abou Diarra, qui est un très, très, très grand musicien, qui a honoré de sa présence bénévolement lors de la première commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu la semaine dernière à Corbeil-Essonne. Il est venu jouer pendant que nous parlions pour commémorer ce grand moment de l'abolition de l'esclavage. Voilà, donc Abou Diarra... Je ne veux pas révéler exactement, je ne sais pas où on en est, mais il aura aussi peut-être l'occasion de se produire dans des grands événements artistiques avant l'été à Corbeil-Essonne, et vous verrez que c'est une chance de l'avoir. Voilà, et donc, en résidence parmi nous, et donc, si d'autres communes veulent profiter, ben, je pense que Abou Diarra sera enchanté, mais heureusement que Corbeil-Essonne a une compétence culturelle.
ça va de soi, quoi. L'œil urbain, c'est Corbeil-Essonne. D'ailleurs, ça avait commencé avant nous. Ça se poursuit de façon encore magnifiée. Voilà, on a une compétence culturelle et on lance un appel à tous les artistes de cette ville qui veulent venir en résidence ici. Oscar se fera un plaisir de les recevoir. Voilà, ça, c'était pour Abou. Diarra, sur la question des... Vous nous dites qu'en fait, on est dans les clous pour honorer nos avocats. Ben oui, voilà, on est dans les clous, on a des avocats. Alors, je vous rassure, on n'a pas que Maître Perru, Gaïa. On a aussi Maître Seban, qui est efficace, puisqu'il a... Il a été partie civile dans le procès de l'ancien maire qui a été condamné hier. Confirmation de la condamnation à... pour corruption électorale, ben vous voyez, c'est pas Maître Gaïa, il y en a d'autres. Là, c'était cabinet Seban, 5e, 6e cabinet français d'avocats qui nous fait, et on est honoré de travailler aussi avec le cabinet Seban. Donc vous voyez, voilà, plusieurs avocats, d'autres qui étaient là quand nous sommes arrivés, et puis on respecte les marchés, voilà. Vous le regrettez, mais nous, on est très contents de respecter les marchés. Peut-être, Monsieur Renard, vous donnez une petite précision. Oui, je crois que, comme lors des précédentes séances, vous avez dit, Monsieur le maire, l'essentiel, c'est-à-dire que nous faisons en sorte d'utiliser au mieux les compétences de différents avocats. Je précise qu'à chaque fois que moi j'estime qu'il y a une facture un peu importante, eh ben, j'interviens, on ne fait pas n'importe quoi. Et tant qu'à faire à lire, c'est bien, vous avez raison, Madame Quetfi, de lire les questions, mais vous avez lu la 2022-33, moi je vous propose de lire la 2022-18 et la 2022-21, parce que ce sont deux contentieux où on n'a pas pris d'avocat, parce que nous avons, ils sont ici en grande partie, nous avons d'excellents juristes qui, justement, nous font faire des économies en rédigeant eux-mêmes des mémoires en défense. Alors, il faut voir, il y a un équilibre. Il y a des affaires pour lesquelles on utilise les moyens internes de la mairie et on a raison, parce que ça nous évite de faire des dépenses supplémentaires. Il y a des cas où nous utilisons les avocats avec qui nous avons un marché à l'année, parce que c'est des affaires qui le justifient. Et puis, dans d'autres cas, nous avons besoin d'avocats spécialisés qui nous rendent bien des services, qui ont des compétences particulières, nous faisons appel à eux. Pour reprendre une formule qu'aime bien Monsieur le maire, nous faisons preuve de discernement. C'est vrai. Belle formule, merci. Peut-être peux-tu prolonger sur la rénovation thermique des bâtiments. Il y avait aussi une question... Bruno, peut-être. Bruno. Alors, Frédéric, super. Voilà, c'est Frédéric. Oui, donc, pour expliquer qu'en fait, effectivement, d'autres... Sur l'ensemble du patrimoine, il y aurait besoin effectivement de faire des diagnostics. Simplement, on a réduit à 15 bâtiments en fonction de nos capacités financières d'investissement. Et donc, on s'est concentré sur les plus énergivores et ceux qui avaient un problème de vétusté avancé. Et pour votre info, on fait quand même une mise en concurrence, hein, même si c'est inférieur au seuil. Donc, à chaque fois, on consulte trois bureaux d'études. Donc là, il se trouve qu'on arrive à 39 900 euros. C'est vrai, c'est inférieur à 40 000 euros. Mais il faut bien voir aussi que quand on fait un appel d'offres ouvert avec un seuil au-dessus, on n'a pas forcément des meilleurs prix. Mais surtout, on va perdre 3 mois de délai. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte quand on lance des études. Merci. Petite précision de Jacques Picard. Oh ben oui, c'est l'occasion. Je ne sais pas si je dois vous appeler Madame Quetfi ou Samira, puisque vous êtes affichée en ville avec les un deux. Nouveau concept. Samira Quetfi. Samira Quetfi, d'accord. Non, ben, puisque vous mettez le doigt sur cette opération, on peut peut-être souligner simplement que la rénovation thermique des bâtiments n'a jamais été engagée depuis 25 ans, en tout cas depuis 10 ans, et que c'est à mettre à votre actif et à votre débit. Ce n'est absolument pas ce qui nous a été dit en commission où il était dit qu'il fallait justement relancer pour pouvoir répondre à des demandes de subventions et que c'était l'occasion de mettre à jour, justement. Donc je suis très surprise de votre remarque. Non, sincèrement, oui. Commençons dans de bonnes... Non, s'il y avait eu de la rénovation thermique à Corbeil-Essonne, ça se saurait. C'est d'ailleurs avec ce prétexte qu'on a essayé de profiter des projets, des plans de relance qui, s'il y a de la rénovation thermique, permet d'avoir des financements supplémentaires. Mais enfin, d'ailleurs, Madame Quetfi,
citez-moi un seul bâtiment de la ville qui a été rénové d'un point de vue thermique. En tout cas, pas le NCA qui a été construit en PPP. Moi, je vais vous parler du NCA qui est un bâtiment HQE. Mais attendez, madame Ketfi. Alors attendez, j'espère que les 1300 employés communaux de la commune de Corbeil-Essonnes nous écoutent, parce que par ces chaleurs, osez dire, madame Ketfi, allez demain faire tous les étages, vous laissera monter. Et allez dire aux agents que ce bâtiment et les HQE en ce moment, fallait y penser celle-là. Vous savez, on hérite d'un bâtiment où il fait froid l'hiver, ça vous fait rire. Vous oui, savez, parce vous que savez, je crois que votre étage est climatisé. Madame Ketfi, je crois que votre étage est climatisé, Ketfi, monsieur le maire. Madame Ketfi, voilà, vous avez dit une bourde, tant pis pour vous. Mais Frédéric Bourges. Absolument pas. Attendez, vous me laissez parler. Frédéric Bourges, maire adjoint au personnel. Et tous les élus ici qui, d'ailleurs, passent quasiment tous les jours dans le bâtiment. Certains, Sylvain Renard, du matin au soir, Michel Noy, je passe toutes les idées, je suis désolé, Martine, etc., souffrent. Donc vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait pas rire, parce que ce bâtiment n'a que quelques années... Ne me faites pas passer pour celle que je ne suis pas. Madame d'accord, Ketfi, ça va Madame Ketfi, ça va. Je ne rigolais pas par rapport à ça. Ah bon, je vous faisais remarquer que vous étiez dans un étage climatisé, Ketfi, c'est Madame tout. Ketfi. Et en effet, ce bâtiment est un bâtiment Madame HQE. Ketfi, il ne répond pas... Madame Ketfi, c'est tout. Maintenant, Madame Ketfi, on nous regarde. Mais oui. Voilà. Vous prétendez à d'importantes responsabilités. Soyez respectueuses des institutions. On ne s'interrompt pas ici. Ville, pas de violence, on ne s'interrompt pas, d'accord ? On se respecte. Donc, vous nous dites, je vous dis de citer un bâtiment, vous me citez le plus récent, qui est une passoire. Quand il fait froid, il fait froid, et quand il fait chaud, il fait très chaud. Et votre ancien ami, ou toujours ami, Jean-Pierre Bechter, a eu l'indécence de mettre la clim. D'abord, la clim, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, elle l'a mise pour lui qu'au quatrième étage. Et il y a trois étages avec du personnel qui souffre. Donc comment pouvoir dire que ce bâtiment est HQE ? Donc c'est indécent. Vous devriez l'arrêter, la clim, vous avez raison. Un seul exemple, et un seul exemple. Ici, on va essayer de relever la considération pour la vie politique. Vous tout voyez, à fait. Vous nous dites, on avait commencé... Je vous demande, vous êtes incapable de citer un seul bâtiment qui a fait l'objet d'une profonde rénovation thermique dans cette ville de 56 000 habitants. Donc nous, on commence. Voilà. Point. Monsieur Bell, vous aviez une question. Je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Rappelez quand même que le NCA vous permet de bénéficier de 800 000 euros d'économie tous les ans. Vous l'oubliez profondément, tout cela. Oui, mais alors attendez. Il fallait faire économie. Et donc il n'est pas HQE ? Non, il n'est pas HQE. Il y a eu une économie de fait sur le dos du confort du travail des agents de la ville. Mais pas du tout. Donc il n'y a pas de HQE. Mais pas du tout. Vous dites, alors là, vous dites n'importe quoi. Combien, monsieur Renard ? Vous dites n'importe quoi. Non, mais attendez, ce n'est pas un argument, vous dites n'importe quoi. Je vous dis que c'est... Bien sûr que le bâtiment est aux dernières normes. On commence un conseil municipal sérieux. C'est évident. Nous avons un débat important, respectueux des gens qui sont dans les bâtiments de cette ville. Tout à fait. Vous voyez ? Donc... D'ailleurs, engager la clim dans tout le bâtiment. Attendez, écoutez, pour les respecter. C'est pas comme ça que vous allez vous faire remarquer, hein, d'accord ? Mais j'ai pas besoin de vous faire remarquer, monsieur le maire. Voilà. Bon, ben très bien. Alors, du coup, on s'interrompt pas et on discute. Le sujet qui intéresse les Corbeil-Essonnois, dans cette période où la transition écologique est une absolue nécessité, c'est qu'enfin, là où on a une responsabilité publique, on s'attaque à la question de la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est le sujet. Constat, il n'y en a pas un à Corbeil-Essonnes. Nous, on est là depuis 2 ans, on s'y colle, d'accord ? Vous aurez un compte-rendu des assises du personnel, d'accord ? Qui se sont tenues dans cette salle pendant plus d'un mois. Près de 300 agents sont venus nous parler. Certains, les larmes aux yeux. De quoi ? Attendez. On n'a pas les mêmes retours, monsieur vous le maire. Hein. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler, d'accord ? Oui, bien sûr. Rénovation thermique du CTM ? D'accord ? On en parle ? Bon, on en parlera quand vous l'aurez reconstruit. Écoutez, nous aurons l'occasion d'en reparler plus vite que prévu. Tellement. Je le souhaite pour les agents. Attendez, écoutez, madame Ketfi, ça va. Je vous écoute. D'accord ? On n'est pas à l'école maternelle ici, d'accord ? Je vous rappelle vos souvenirs d'opposants, c'est tout. Donc, je continue. Je parle, vous savez que je parle des agents, hein, du CTM, oui. Rénovation thermique du CTM, 2, centre municipal de santé, rénovation thermique du centre municipal de santé, et vous les prenez tous comme ça, nos écoles, etc. Donc nos personnels, et nous allons
vers des années catastrophiques du point de vue du climat. On est dedans. Le mois le plus chaud de l'histoire de notre pays, au mois de mai. Donc c'est un sujet sérieux. Donc non. C'est pas gna gna gna. D'accord ? Vous n'avez rien fait, on arrive, on bosse. Est-ce que voilà. Je peux... À quel moment Monsieur... je peux vous répondre ? Ah mais, d'accord. Alors je n'ai rien fait parce que... Allez-y. D'accord, merci. Alors c'est un sujet important pour le personnel communal, j'en conviens parfaitement. Je n'ai rien fait tout simplement parce que je n'étais pas élue au cours des 10 dernières années, je vous le rappelle une fois encore. Donc évidemment, j'étais dans l'incapacité de pouvoir faire. Et mon intervention ne visait qu'à refaire remarquer qu'il serait bon, justement, d'engager dans une plus grande dimension cette étude thermique. C'était juste pas, ça. Pas de problème. Mon sujet n'était pas de dire que c'est bien, c'est pas bien, et que les gens vivent mal. C'est au contraire. Faisons bénéficier de ces études thermiques un maximum de bâtiments Très bien. De la ville. Donc vous encouragez notre politique pour laquelle, je le redis, rien n'a été fait J'encourage ces dernières le bien-être années. Voilà. Des agents monsieur, de la ville. Monsieur Bell, s'il vous plaît. Bon, pardonnez mon retard, le travail. Et je vous prie d'excuser donc les membres de l'opposition qui ne sont pas là pour des raisons laborieuses. Il semble que ça pose pas de problème aux autres. Je continue à vous poser la question et à vous demander de, au moins d'avoir la décence de retarder d'une demi-heure le début de ce conseil municipal. Et comme je n'ai pas assisté, je ne sais pas si les questions que je vais poser, elles ont déjà été posées, mais bon. Je voulais savoir quelle affaire était au Conseil d'État pour vous dans l'affaire qui vous fait consulter la SCP Delamarre et Géana. Bon, vous me répondrez. Et puis, je voulais m'attarder également sur les questions de rénovation thermique. Bon, le nouveau centre administratif est-il HQE ou pas ? Moi, je vous propose de ressortir les permis de construire, monsieur le maire, de vérifier ce permis de construire. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut attaquer le faiseur de ce centre administratif, puisqu'il nous a été vendu pour être HQE. Et donc, je confirme évidemment ce que disait Samira Ketfi. Et voilà. Bon, d'autre part, donc effectivement, outre le fait que nous avons bien compris que c'est parce que vous souhaitez toujours passer en dessous de 39 999 euros pour tous vos marchés que vous passez par là, je tiens quand même à saluer deux choses. La première, effectivement, c'est le lancement de cette rénovation thermique. La deuxième, c'est que vous avez pour une fois choisi un bureau d'études qui a son siège dans l'agglomération au moins. Alors, on n'a pas été le chercher pour une fois à Saint-Denis, à je ne sais, enfin partout où vous cherchez d'habitude des bureaux d'études. Donc là, effectivement, on a un bureau d'études qui est dans l'agglomération qui sévit. Alors certes, il est très récent, et d'ailleurs, on peut se poser la question de sa capacité puisqu'il a été créé il y a 6 mois à peu près. 6 mois. Bien sûr, les entreprises nouvelles ont le droit à toute notre considération. Néanmoins, bon, vous allez leur confier des bâtiments d'importance, et il faut vérifier évidemment cette capacité. Je veux également m'inscrire en faux sur le fait qu'on n'ait jamais fait de rénovation thermique ou même parfois sonore, puisque ces opérations se faisaient. Elles se faisaient pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, puisque les règles n'étaient pas les mêmes, mais elles se faisaient notamment dans le cadre des contrats de gaz. La ville souscrivait des contrats de gaz et obtenait donc un certain nombre d'audits de la part du prestataire de gaz qui proposait un certain nombre de dispositions qui étaient généralement suivies des faits sur les bâtiments anciens. Alors évidemment, ce n'était pas des rénovations aussi importantes que celles qu'on peut faire aujourd'hui de par la loi, mais cela a existé et cela a constitué un progrès, notamment en termes de consommation de gaz. Donc je vous attends sur le cabinet d'avocat de Delamarre, s'il vous plaît, et les raisons de cette affaire. Merci. Bon, en fait, voilà, c'est une affaire pour laquelle on se défend sur une fin de contrat d'un agent. On ne va pas donner son nom ici. Voilà, on a un contentieux avec un agent qui ne partage pas notre vision
ce pourquoi on met fin au contrat, et donc il y a un contentieux, rien de plus normal. Voilà, ce pourquoi nous avons un cabinet d'avocats qui peut ester au Conseil d'État. Voilà. Juste une petite remarque, si on a fini après, parce que voilà, sur la question que vous abordez des entreprises locales. Sujet passionnant, mais nous sommes, comme vous, contraints par les appels d'offres qui fait qu'on ne peut pas mettre de critères. Ça, je crois que ça suffit. Non. On peut pas mettre, le maire ne peut pas dire on prendra les entreprises qui sont à Corbeil-Essonne. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord ? Bon. Donc, voilà. Et de la même façon que pendant des années, sous votre mandature, les entreprises locales n'ont pas pu travailler, nous, on est confrontés à ces difficultés. Mais votre intervention me permet de lancer un appel aux entreprises locales. Pourquoi ? Vous savez que nous sommes une équipe entreprenante. Il y a des projets à la fois privés qui vont voir le jour. On les connaît maintenant, les Grands Moulins, Hélio Corbeil. Des projets que nous portons. La rénovation, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a une question du centre commercial de Montconseil, des Tarterets, etc. C'est-à-dire que dans cette ville, il va y avoir du logement construit, du logement démoli, pour équilibrer, et divers aménagements. Il y a des opérations qui vont être passées par les bailleurs, puisque notamment au Tarteret, on va reconstruire un nombre conséquent de logements, puisqu'on va en démolir, on va reconstruire. Et j'attends, on vous donnera l'information. Je suis passé avec Oumar Dramé et Assad Oukouré au Conseil national d'engagement de l'ANRU il y a une dizaine de jours, et la directrice générale a un rendez-vous téléphonique avec moi vendredi pour nous dire quid de toutes les demandes que nous avons faites. Et on saura à quel niveau on va être aidé. Mais donc les bailleurs vont construire. Les bailleurs sont soumis aussi à l'appel d'offres, avec des règles un peu différentes des nôtres, puisqu'ils vont pouvoir, et nous leur avons demandé, hier par exemple avec le bailleur qui fait la résidence d'étudiants à la place de l'ancien Darblay, voilà, nous en 2 ans, hop, un bâtiment vide, on a passé d'une dette de 3 millions à 300 000 euros, et en plus on va avoir une résidence d'étudiants. J'ai organisé une rencontre hier avec le bailleur Séquence. C'est Séquence qui va livrer des logements à des étudiants. Et le constructeur, on ne peut pas le louper, c'est transparent, puisque c'est écrit en gros dessus. GTM, filiale de Vinci. Voilà. Pas nous qui l'avons choisi, c'est le bailleur. Choisi sur un appel d'offres. Voilà. J'ai rencontré pendant 1 heure et demie ces deux entités, le bailleur et GTM. Et je leur ai demandé que pour ce premier chantier, mais les millions d'euros qui vont être dépensés à Corbeil-Essonne dans ce mandat pour la transformation de nos quartiers et du centre-ville, pour les bailleurs, de mettre des clauses plus faciles pour eux, qui privilégient les entreprises locales pour attribuer les lots de travaux. On a topé dans la main, clause sociale pour les bailleurs. Les entreprises privées, elles, ne sont pas soumises à des marchés publics, marchés privés. J'ai obtenu hier de GTM, et ce sera comme cela pour toutes les grandes entreprises qui vont venir travailler à Corbeil-Essonne pour transformer notre ville. Avec Hichem Boukouba, on en a reparlé aujourd'hui, maire adjoint au développement économique, nous sommes en train d'organiser le recensement, et c'est l'appel que je lance, le recensement de toutes les entreprises corbeil-essonnoises qui ont à voir avec le bâtiment. Ça va de celles qui fabriquent des palissades, il y en a une au Tarteret, des plombiers, de la menuiserie métallique, je ne vais pas citer d'entreprise, il y en a une connue dans la zone des Tarterets, des entreprises de sécurité s'il y a besoin, on pourra en reparler, des entreprises de bâtiments général. J'ai rencontré aujourd'hui le patron d'une PME de 25 salariés de bâtiments à Corbeil-Essonne, et nous allons organiser la rencontre entre tout le tissu économique local et l'ensemble des travaux qui vont être réalisés dans cette ville. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entreprises, on ne va pas en citer parce que je vais les mettre à l'aise, sur ces marchés privés, qui ont pu bénéficier de l'argent public qui va passer dans la transformation des quartiers et de l'argent privé, puisque pour ce qui est de Novaxia et des Grands Moulins, c'est de l'argent privé. Donc vous voyez,
Cette question, nous la prenons à bras-le-corps et il faut que les jeunes de Corbeil, les entreprises, les salariés de cette ville, ceux qui sont à la recherche d'emploi, puissent trouver un débouché professionnel à la richesse de Corbeil qui va se réaliser dans les années à venir. J'aurai l'occasion d'en reparler. C'est une question que j'ai abordée avec le préfet de région qui, depuis très longtemps, n'était pas venu à Corbeil-Essonne. Le préfet de région est venu marcher avec nous pendant une heure ce matin dans le centre-ville de Corbeil-Essonne. Je l'ai pris, cette question, sous l'angle de la transition écologique. Vous savez que, par exemple, sur le chantier du tribunal, ce sont des salariés qui viennent de Seine-Saint-Denis tous les jours, qui viennent travailler à Corbeil-Essonne. Et puis les nôtres, de toutes nos entreprises du bâtiment, ils vont travailler dans le Val d'Oise, ils vont travailler en Seine-Saint-Denis. Quel gâchis humain en temps passé dans les transports et quel gâchis écologique, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre ça. Nous allons permettre, dans les années à venir, dans les mois à venir, puisque pour le chantier de la résidence d'étudiants, ça va commencer maintenant, le numéro 2 de GTM que j'ai reçu hier, donc du groupe Vinci, m'a assuré, il attend la liste, nous allons la donner, de faire travailler au maximum toutes les entreprises locales. Donc voilà, c'est une question importante là aussi, merci de l'avoir posée. Nous nous engageons dans ce travail. Encore un mot, M. Bell, puis après on passera au point suivant. Mais... Donc moi, j'entends bien, Monsieur Piriou. Donc d'ailleurs, c'est ce que vous ne me contredirez pas là-dessus. Je vous réclame depuis le début de votre mandature que ce qui n'a pas été fait effectivement dans le précédent mandat, c'est-à-dire d'introduire des clauses environnementales qui permettent notamment de sélectionner au regard des questions de transport et donc de distance et donc permettre de faire rapprocher finalement les entreprises de leur lieu de chantier, soit intégré. Donc Monsieur Renard m'a souvent dit que ce serait fait, qu'on essaierait de nous montrer cela. Je ne vois toujours pas ce travail de fait. Bon, je vous attends sur le sujet donc depuis 2 ans maintenant. Donc je ne peux qu'être satisfait de cela, et je le faisais remarquer. Bon, il est vrai aussi qu'on avait un désavantage dans le passé, c'est qu'on ne passait pas l'essentiel de nos marchés en dessous de 39 999 euros, et que c'était effectivement moins facile de sélectionner, de choisir, même si on doit le faire parmi trois ou quatre candidats, de choisir en fonction de critères qui peuvent être, disons, un peu moins... un peu moins technique, on va dire, que les grands appels d'offres. Voilà. Donc, moi, je vous attends toujours sur ces fameuses clauses environnementales. Vous n'avez que l'environnement à la bouche. Donc, introduisez dans les appels d'offres ce que nous vous réclamons depuis des années, ce que j'ai d'ailleurs réclamé, on m'en rendra grâce également, ceux qui s'en souviennent, dans tous les autres mandats. Bon, ça n'est pas arrivé. J'espérais que vous, avec le professeur Picard en liste, si je puis dire, vous arriveriez à cette conclusion. Voilà, je vous remercie. Vous avez décidément passé votre vie à réclamer. Monsieur Breton. Oui, monsieur le maire. Je reviens sur vos propos tout à l'heure en parlant de respect et de sérénité des débats. Je suis... un peu surpris de votre remarque par rapport à ce que vous dites, parce que comment voulez-vous qu'il y ait une sérénité et du respect dans les débats quand sans cesse on se fait pilonner. La dernière fois, c'était avec les pinsons le lieu de délinquance. Là, vous nous resservez Monsieur Bechter, alors que Monsieur Bechter, il n'est pas parmi nous. Il faut le laisser tranquille maintenant. Il fait sa vie, c'est plus notre problème. Par contre, le seul qui est condamné autour de cette table ce soir, c'est vous, hein, Monsieur Piriou. Depuis 2008. En 2008, vous avez été condamné pour vos frais de campagne. Donc arrêtons, si on veut, de la sérénité et des débats calmes et constructifs pour les Corbeil-Essonnois. Si sans arrêt, vous remettez le couvert, et Monsieur Bechter, et il a fait ça, et Monsieur... on a compris maintenant, ça fait 25 ans que vous êtes sur le leitmotiv là-dessus. Il faut peut-être changer de disque dur et puis opérer sur autre chose. Nous, on attend que ça, hein, de pouvoir débattre et d'élever le niveau, mais vous êtes toujours dans le caniveau avec Monsieur Dassault et Monsieur Bechter. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Écoutez, Monsieur Breton, pour ce qui est des débats, ça fait 2 ans qu'on est là. Vous n'avez jamais pu d'ailleurs autant intervenir que depuis que nous sommes là, d'accord ? Il n'y a jamais eu autant de débats, pas compté dans le temps.
D'accord. Et donc, pour ce qui est du débat, on est là. Il n'y a pas de problème. Serein. Après, je suis désolé. Vous dites qu'avec M. Bechter, on en a fini. D'abord, tant qu'il fait appel... Non, attendez, excusez-moi. La ville de Corbeil-Essonnes, sur les affaires de vos anciens collègues, s'est portée partie civile. D'accord ? Donc nous, on prend ça au sérieux. Tous les jours, depuis 2 ans, on subit les conséquences de ce KST. Voilà. Ça, c'est la presse d'aujourd'hui. Hein. D'accord ? Donc ça ne nous fait pas rire ici. Parce que tous les jours, depuis 2 ans, vous savez, un système... Allez, je peux prendre n'importe quelle phrase. Bougez pas. Je crois que c'est celle-là. C'est suspense. Système, c'est pas moi, hein. Système de corruption active pour achat. Et de... pourquoi attendez, il a pris attendez, moins attendez, et pourquoi il a pris moins posez... en deuxième attendez, en appel qu'en attendez, première instance Monsieur alors Breton, pourquoi Monsieur il a pris moins en appel Monsieur qu'en Breton, première instance Monsieur Breton, on va pas aborder ce sujet toute la soirée. Vous me relancez là-dessus, d'accord? Je vous réponds. D'ailleurs, dans une conversation sur le marché il y a quelques années, j'essayais toujours de comprendre comment, avec votre stature et votre vie professionnelle, vous pouviez continuer à accepter tout cela. Vous m'aviez répondu. Moi, pour l'instant, ils ne sont pas condamnés. Vous m'aviez répondu ça. D'accord ? Je crois que mon voisin qui Vous m'aviez partage... même demandé Attendez, de venir travailler dans votre équipe. Laissez-moi finir. Vous aviez dit, monsieur Breton, que vous faisiez confiance à la justice. D'accord ? La justice, hier... Et si on en parle, pourquoi ? C'est parce que vos amis font appel. Certains, d'ailleurs, n'ont pas fait appel et donc sont condamnés. Celui, notamment, que vous avez été soutenir lors de notre décision. Je l'ai de... pas soutenu. Je l'ai finis. Pas... Non, Monsieur non, mais Breton, dites pas n'importe quoi. Vous pouvez... Je ne vais pas vous laisser n'importe dire n'importe quoi. Je ne l'ai pas soutenu. Ah bon ? Vous avez... Non, vous avez... j'étais avec le directeur de la DDCS pour voir ce qui s'est pour passé. Pour témoigner, je l'ai pas soutenu. Et vous n'avez pas pu le faire, fallait y penser à celle-là. En tout état de cause... Là encore, vous m'aviez dit que dans ces relations, etc., vous les revisiteriez en fonction des décisions de la justice. À ce jour, tous ces anciens collègues, vos anciens employés, sont condamnés par la justice de notre pays. Attendez, non, aussi, vous avez été condamnés, ils sont tous là autour de vous. Vous savez, Monsieur Breton, je sais, c'est pas facile, mais vous allez quand même m'écouter jusqu'au bout. Ils sont condamnés par la justice. Vous en tirez les conséquences que vous voulez. Pour, selon moi, les faits les plus graves qui puissent avoir tronqué le suffrage universel, ce qui est garant de la démocratie. C'est votre affaire. Deuxièmement, nous, on récupère... Vous pensez qu'un tel système ne laisse pas de traces ? Je vous répondrai tout à l'heure. Vous me posez des questions... sur les engins qui brûlent à Corbeil-Essonnes. Je vous répondrai tout à l'heure. Pardon ? Je vous répondrai puisque nous sommes, Monsieur Breton, en lien permanent avec la procureure de la République. J'en ai rediscuté ce matin puisqu'on avait et le préfet du département et le préfet de région. Donc, vous pensez qu'un tel système, qui, Michel me le rappelle, selon les mots de l'avocat général, a semé le chaos dans la ville. Le chaos. La justice de notre pays qui parle de ça. D'accord ? Vous pensez que ça s'arrête du jour au lendemain ? Quelle blague ! Laissez-moi finir, Monsieur Breton. 25 ans d'une telle culture dans cette ville. Nous, on n'a pas le regard sur le passé. Je suis désolé. C'est la presse du jour. Je suis obligé de la lire. D'accord ? Bon, c'est la presse du jour. C'est pas le passé. Peut-être ne feront-ils pas de nouveaux appels, et donc ces gens-là auront été condamnés. Un des rares maires de France, condamné pour avoir acheté des élections. Voilà, c'est le passé. Nous, on regarde devant. Vous avez vu le nombre de projets qui sortent, de telle sorte que, quand le préfet de région vient ce matin, nous sommes sur le centre-ville, nous sommes sur le pôle gare, nous sommes sur tous les sujets, en plan, quand on arrive, et que nous, en 2 ans, on redresse. C'est ça, la réalité. Donc, votre système, puisque vous en étiez, votre système a abîmé,
a abîmé cette ville. On n'a pas de système, nous. Qu'est-ce que vous racontez ? C'était en 2008. Abîmé cette ville. Moi, je suis arrivé en 2014. J'étais pas là en 2008. Non, voilà. Non, vous dites ça, n'importe quoi. Le point numéro un, excusez-moi, sur les questions des décisions que nous avons prises, qui pour l'instant n'ont fait jamais l'objet d'un quelconque contentieux depuis 2 ans. Je vous avoue, c'est pas très difficile. D'accord ? Et donc, je vous propose que nous prenions acte. Note de présentation, on vote, on prend acte des décisions prises par le maire. Monsieur Renard, vous allez continuer sur la modification de la délibération du point 1.2 du Conseil municipal. Voilà, alors en fait, il s'agit simplement de simplifier le traitement des demandes de subvention. Afin de simplifier et d'optimiser les délais de traitement des dossiers de subvention déposés par la collectivité, il est proposé au Conseil municipal de déléguer à Monsieur le maire, pour le reste du mandat en cours, les demandes de tout organisme financeur pour l'attribution de subventions dont le montant est inférieur à 200 000 euros hors taxes. Alors c'est une mesure de simplification, ça ne change pas grand-chose, mais ça permet, on a des fois des délais qui sont courts, et puis il y a un délai de préparation des dossiers de demande. Donc ça permet de ne pas être obligé de passer par le conseil municipal et donc de passer des fois 15 jours, 3 semaines, ce qui peut être dommageable pour respecter les délais. Voilà pourquoi nous soumettons au conseil municipal cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Bell. Oui, moi je suis... sur le principe, je ne serais pas contre... parce que, bon, effectivement, ça peut améliorer les choses, mais à la condition que la communication passe. Or, nous sommes bien obligés, malgré vos dires, malgré vos esbroufs en matière de communication, de concertation, de patin-couffin, de considérer que vous ne nous informez pas de ce qui se passe, de ce que vous prévoyez de faire, de lancer, etc. Et donc, on l'apprend soit par les décisions... soit par une réunion en ville, une concertation, une publication que vous faites. Donc là, moi, personnellement, je n'accepterai pas cette délibération. Non pas que je sois contre le fait que dans une démocratie normale, ça fonctionne, avec des montants de ce type, mais là, non, je ne l'accepterai pas, au motif que j'ai évoqué. Nous tenons à être informés, et en acceptant cette décision, en fait, on se prive de l'information concernant toutes les demandes de subvention inférieures à 200 000 euros ou égales. Je rappelle que dans la précédente majorité, tout comme nous n'utilisions pas cette faculté que vous avez trouvée de faire des marchés à 39 999 à tout bout de champ, eh bien nous ne pouvions pas non plus faire des demandes de subvention inférieures à 200 000 sans passer par le conseil municipal ou l'agglomération quand c'était l'agglo. Madame Ketfi. Merci. Je vais rebondir sur les propos de Jean-François Bayle, auxquels je m'associe pleinement. Je pense que ça peut être en effet intéressant pour vous permettre de faire avancer les dossiers de la ville que vous souhaitez porter. Cependant, en termes de démocratie et d'information du conseil municipal, je trouve que ça nuit à la communication et ça ne nous permet pas de pouvoir avoir les informations en tant qu'élus de la ville. Voilà, nous permettrait d'avoir connaissance des dossiers que vous souhaitez porter. Très bien. Bon. Monsieur le maire, alors, une précision au passage, nous ne faisons pas à tout bout de champ, comme vous dites, des marchés, des dépenses à 39 000, là, 999. Il y a beaucoup de marchés beaucoup plus importants qui passent en commission d'appel d'offres, où d'ailleurs on ne voit pas énormément de gens de la minorité, enfin... passage, mais c'est aussi un lieu où on peut s'informer et beaucoup de marchés importants sont bien entendu au-dessus de 39 000. Il y en a des dizaines, donc il ne faut pas dire qu'on le fait à tout bout de champ. Bon. Ce n'est pas exact. D'autre part, il n'y a aucune réticence de notre part à informer sur, par exemple, des demandes de subventions. On n'a pas honte des projets que nous faisons. Nous sommes au contraire fiers de tout faire pour obtenir les subventions maximum et on en obtient et ça permet de diminuer les dépenses de la commune. Moi, je suis prêt même
à m'engager à vous informer de certaines demandes de subventions. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai toujours dit qu'on pouvait venir me voir, qu'on pouvait me faire des demandes. Je m'efforce toujours d'y répondre par écrit quand je peux, ou oralement. Monsieur Bell, vous avez souhaité me rencontrer, nous nous sommes rencontrés, ça s'est très bien passé, et j'estime, mais oui, mais je m'en félicite, et vous m'avez dit des choses qui m'intéressent et dont je vais tenir compte. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est quand même curieux que vous acceptiez qu'on prenne le risque de ne pas bénéficier de subventions de manière à être un peu mieux informé alors qu'on est prêt à le faire. Bon, allez, petite dernière. Donc moi, encore une fois, on n'est pas contre le principe. On est contre le fait que ça s'applique ici parce qu'on n'a pas confiance. Maintenant, rien ne nous empêche. Rien ne vous empêche de nous démontrer le contraire en nous informant préalablement sur ce que vous allez faire dans ce domaine. Pourquoi être informé préalablement? Parce que quand vous faites une demande de subvention, bah vous montez un dossier conséquent. Et ce dossier conséquent, bah, il doit correspondre, j'imagine, à votre politique dans tel et tel domaine. Donc on aimerait bien la connaître. Parce que nous, fallait être dans la majorité. Ne vous en déplaise. Dans le budget qu'on a voté, que vous avez voté il y a un conseil, en notre absence pour cause d'indélicatesse, mais nous avions discuté largement dans le cadre du budget, du débat d'orientation budgétaire qui avait précédé, et que finalement le budget c'était en quelque sorte un enregistrement de votre débat budget, enfin de vos propositions d'orientation budgétaire. Eh bien, on ne retrouve pas bien les traces, justement, de cette politique. C'est bien ce qu'on voulait vous dire, d'ailleurs. C'est ce qu'on vous avait dit dans le débat d'orientation budgétaire. Donc, on aimerait le voir, au moins, dans les actes. Puisqu'on considère que les demandes de subventions, ce sont des actes. Voilà. Donc, informez-nous préalablement. Je ne sais pas sur quel moyen. Peut-être sous une forme de décision, par exemple. C'est très bien. Ça permet d'être informé, notamment de tous les marchés que vous passez. A posteriori, certes, mais au moins on a cette information. Je reviens un instant sur les marchés à 39 999. Nous, ce qui nous choque, c'est pas qu'il y ait des marchés inférieurs à ce montant. Je veux dire, il y en a, bon, objectivement, depuis le début du mandat, depuis les. On est à combien de conseils municipaux? Une vingtaine, je pense. Ouais, par là. Oui. Donc il y a à peu près dans chaque conseil 2 à 3 marchés à 39 990 euros, enfin, pardon, entre 39 990 et 39 999, ça dépend, le chiffre évolue. Et donc, nous sommes surpris qu'il y ait des marchés de ce montant systématiquement. Systématiquement, c'est-à-dire 3 fois par session conseillère, par session entre deux conseils municipaux, vous prenez au moins 3 fois à chaque fois la décision de fixer des marchés à ce montant précis qui est, comme par hasard, juste inférieur de 1 euro ou de 10 euros à la somme de 40 000 euros qui est le plafond. Voilà. Donc c'est ça qui nous étonne systématiquement. Et qu'il n'y ait pas de marché dans vos décisions, il n'y a pas à 580 euros, il n'y a pas à 3500 euros. Non, c'est toujours 39 990. Voilà, c'est ça qui nous surprend. C'est pour ça qu'on émet quelques doutes et qu'on en a d'ailleurs fait part au préfet, qui tarde, nous le trouvons, à nous répondre sur le sujet. On respecte votre surprise. On peut passer au vote, monsieur. Voilà. Alors, qui s'abstient? L'ensemble de. Je ne sais pas. En tout cas, non, alors. Bah, tout le monde, non, je ne sais pas. Dites-nous, qu'on sache. Levez la main. Attendez, s'il faut que le service qui fait le. Des comptes puissent noter. Ah, tout le monde est contre. Alors, attendez. Très bien. Bon, maintenant, on dit qui vote contre. Tout le monde. Qui vote contre. Toute l'opposition. Très bien, merci. Et le reste est pour. Donc, cette délibération est adoptée. Merci beaucoup. Attendez, oui. Alors, monsieur Raymond vote pour. Très bien. Il nous suit à distance, en fait. C'est comment il. Merci beaucoup. Très bien. Merci, monsieur Raymond. Aliénation de matériel informatique, monsieur Renard. Oui, alors, la présente délibération a pour objet d'autoriser l'aliénation du matériel informatique devenu obsolète ou défaillant, mentionné dans la liste annexée à la délibération figurant dans votre dossier,
le matériel sera cédé à titre gratuit ou onéreux et où sera recyclé. Alors, je me suis intéressé un peu de près, il y a des questions qui ont été posées en commission, dont j'en dis un mot supplémentaire. Si vous voyez, si vous avez lu, je pense, l'annexe 1, vous voyez que c'est du matériel, alors qui peut paraître récent pour du mobilier, par exemple, ce serait du mobilier relativement moderne, mais pour du matériel informatique 2009-2010, c'est du matériel qui a plus de 10 ans. Donc très souvent, on change le matériel informatique tous les 5 ans. Quand on est un professionnel qui a besoin de matériel important, on le fait même tous les 3 ans. En tout cas, on amortit en 5 ans le matériel informatique. Donc là, il s'agit vraiment de matériel ancien. J'ai demandé, parce que Mme Ketfi m'avait interrogé à ce sujet en commission, j'ai demandé des précisions. Donc on m'a informé que la plupart du temps, ce matériel est invendable et donc on ne peut pas non plus le donner parce qu'il y a des disques durs qui ne fonctionnent plus ou qu'il n'y a plus de consommables, par exemple pour les imprimantes, parce qu'elles sont trop anciennes. Et donc c'est généralement GPS, l'aglo, qui vient enlever ce matériel qui ne peut plus nous servir et qui le dépose à des entreprises spécialisées de recyclage. Voilà, pour bien préciser de quoi il s'agit. Donc il faut que ce soit enregistré, la volonté de s'en séparer. Il faut que ce soit enregistré par cette délibération. Est-ce qu'il y a à ce sujet des questions ? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas, moi non plus. On peut donc passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et qui est pour ? On peut penser que c'est tout le monde. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Merci, Sylvain Renard. Monsieur Piau, une longue série de délibérations. Un petit peu d'eau pour monsieur. Alors, cette délibération porte sur l'adhésion de la ville au groupement de commandes créé par le syndicat mixte Orge Yvette Seine, donc le SMOIS, ce sera plus court, pour l'achat de fournitures d'énergie et de prestations associées. Donc, comme vous le savez, depuis janvier 2016, les collectivités territoriales doivent recourir aux procédures prévues par le Code de la commande publique pour le choix de leurs fournisseurs d'électricité. Et le syndicat mixte Orge Yvette Seine, au titre de ses compétences gaz et électricité, est l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie pour le gaz et l'électricité. Afin de bénéficier d'achats efficients et de meilleurs services associés, la commune de Corbeil-Essonne souhaite adhérer au groupement de commandes pour l'achat de fournitures d'énergie et de prestations associées pour ses besoins en électricité à compter du 1er janvier 2023. Il est dès lors demandé au conseil municipal de décider l'adhésion de la commune au groupement de commandes pour l'achat de fournitures d'énergie et de prestations associées pour les besoins de la commune en électricité à compter du 1er janvier 2023. D'approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes entre le SMOIS et les collectivités adhérentes, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et tout document afférent, de me désigner pour représenter la collectivité au sein du comité de pilotage du SMOIS, d'approuver la désignation du SMOIS comme coordinateur du groupement de commandes, et enfin d'autoriser le président du SMOIS ou son représentant à signer des marchés publics et ou accord cadre et marché subséquent issus du groupement, et ce sans distinction de procédure ou de montant lorsque les dépenses seront inscrites au budget. Merci. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Ah, monsieur Bell. Oui. Donc en adhérant au SMEUS pour les compétences électricité, j'imagine que vous désadhérez du CIARS pour les compétences électricité. Parce que jusqu'à présent, donc, les compétences électricité étaient transmises au CIARS. Le CIARS a-t-il finalement... Enfin bon, il y a eu un accord, je pense, entre le SMOIS et le CIARS pour un transfert de ces compétences. Nous sommes d'accord ? Oui. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Le CIARS a aussi adhéré au SMOIS. Oui. Alors, dans le détail, c'est un petit peu compliqué, mais on va tous se retrouver au SMOIS, puisque maintenant, ils sont arrivés à regrouper plus d'une soixantaine de villes, dont tous les adhérents du CIARS, des villes aussi de GPS. Et donc, ça va être notre principal
notre principal interlocuteur, pour nous accompagner dans tout ce qui concerne l'énergie au niveau du SMOIS. Ils ont une infrastructure et des moyens tout à fait compétents et dimensionnés pour ça. Et bénéficier d'économies d'échelle. C'est le but. Donc l'objectif étant de constituer un syndicat d'électricité, en fait, qui est à l'échelle du département, si je ne me trompe. En tout état de cause, c'est pas la décision de la, excuse-moi Frédéric, donc, c'est pas la décision de la ville de Corbeil. Donc c'est pas la décision de la ville de Corbeil. On est d'accord, c'est là que je voulais en venir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, mais je reviendrai tout à l'heure, mais ça me fait penser à un certain nombre de sujets que j'ai à évoquer en matière d'eau avec vous. On en reparlera un peu plus tard. Madame Ketfi. Oui, juste une remarque et un questionnement que j'ai. Est-ce que cette adhésion au groupement de commandes va faire en sorte que nous n'ayons plus de visibilité sur les consommations de la ville de Corbeil-Essonnes, puisque nous allons être noyés dans le groupement? Et je me dis que si nous allons vers cette direction, nous allons perdre le pilotage de nos consommations. Et je pense que c'est important de maîtriser, compte tenu aujourd'hui en plus du prix de l'énergie, de bien maîtriser nos dépenses. Et moi, je suis plutôt favorable à la mutualisation, bien évidemment, pour favoriser les économies d'échelle, tant que cela est intéressant pour la ville. Alors, comme tout groupement de commandes, on ne perd pas du tout l'accès à toutes nos données. Même dans le précédent, avec le CIAR sur les postes de comptage inférieurs à 36 kVA, on avait accès à tout, on a un compte et on peut suivre tout en direct, quel que soit le groupement de commandes et qui achète pour nous, en fait. Hein. Ça fait effectivement. Sinon, on ne peut pas suivre nos consommations et on ne peut pas assurer derrière des actions pour réduire. Juste peut-être une question complémentaire. J'aurais voulu savoir quelles sont les économies attendues liées à cette adhésion. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'économie. On va plutôt essayer de perdre moins d'argent, parce que compte tenu du contexte énergétique, c'est la situation va être difficile. Quoi qu'il arrive, même en adhérant là, il est fort probable que notre facture énergétique augmente. Alors peut-être qu'elle sera minimisée par la taille du groupement, parce qu'il sera plus important que celui du CIARS avant. Mais en tout cas, ça sera délicat, quoi qu'il arrive. Hein. Si déjà, enfin moi j'y crois pas beaucoup, mais si déjà on avait le même coût, ce serait déjà extraordinaire, parce que les tendances actuelles sont vraiment très, très haussières et de manière importante. Hein. Donc j'espère qu'on pourra minimiser au maximum. On l'a anticipé dans notre budget, des hausses. J'espère qu'on a suffisamment anticipé. Le cours mondial de l'énergie, on le subit en direct. Hein. Et malheureusement, à chaque échéance d'appel d'offres, on repasse à la moulinette. Et voilà, alors on a un prix garanti pendant 2 ans. Mais après, dès qu'on change, on a le coup de matraque en fonction du prix du marché. Jacques Picard, un petit mot. Juste une remarque. Le marché de l'électricité, il y a voici quelques années, a été dérégulé dans des conditions absolument incroyables, introduisant une pagaille de marché absolument gigantesque. On sait aujourd'hui que les opérateurs qui sont créés dans ce marché libéral, assez curieux, puisque à tout instant, le nombre d'électrons produits doit correspondre au nombre d'électrons consommés. Donc quand vous achetez de l'énergie à un opérateur, vous ne savez pas où il la prend, bien évidemment. Et on sait que ce marché, avec la crise de l'énergie actuelle, est en train de s'écrouler littéralement, que certains opérateurs ont fermé, livrant d'ailleurs leurs clients au diktat d'autres opérateurs dans des conditions incroyables. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va être intéressant de voir si le regroupement de 65 communes, c'est ça, Fred, hein, va produire ou non un effet de marché, un effet d'offre d'achat global qui va être intéressant. Mais enfin, sachons qu'on est quand même dans une période extrêmement dangereuse pour ce qui est d'approvisionnement d'énergie. Quoi. Qui montre que les collectivités subissent des décisions politiques nationales que vous avez adoubées, chers opposants, puisque si vous lisez la note explicative, la dérégulation, en fait, la mise en concurrence du marché, elle date de la loi du 7 décembre 2010, qui fait que ce qu'on pouvait considérer comme un bien public national, comme l'eau,
l'électricité, aujourd'hui a été mis en concurrence. Et du coup, voilà, ce qui pourrait permettre d'avoir une gestion nationale, y compris parce qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, le but, ce n'est pas simplement de payer moins cher, c'est de consommer moins aussi. Et pour l'eau, et pour l'électricité, c'est vers cela qu'on veut s'engager. En tout état de cause, voilà, soucieux des finances de la commune, on fait comme le CIARS, on adhère au groupement de commandes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pas d'hésitation, ça va ? Tout le monde est pour. Merci Frédéric. Le marché public de fourniture d'acheminement de l'électricité, services associés. Alors, comme vous l'avez noté dans la délibération précédente, le marché prend effet au 1er janvier 2023 avec le SMOIS. Et malheureusement, celui que la ville avait passé donc, en individuel, là, ce n'était pas en groupement de commandes, c'est la puissance supérieure à 36 kVA, s'arrête le 30 juillet 2022. Donc, pour nous permettre de tenir jusqu'au 1er janvier 2023, nous sommes obligés de lancer un appel d'offres en attendant d'adhérer au SMOIS pour satisfaire nos besoins en électricité jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà, donc la délibération est là pour valider, pour proposer l'appel d'offres ouvert pour acheter cette électricité. Y a-t-il des questions ? Pas. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est à l'unanimité, je vous remercie. Et pour fournir d'électricité, très bien. Toujours Frédéric, je crois, fourniture de produits d'entretien ménager et d'hygiène. Voilà, donc effectivement, c'est une délibération pour l'attribution du marché public pour la fourniture de produits d'entretien. Donc, comme vous le savez, on a besoin d'un certain nombre de produits pour nettoyer les locaux, entre autres, mais aussi, dedans, il y a le gel hydroalcoolique. Donc, la ville a lancé un appel d'offres ouvert et les différents soumissionnaires sont précisés dans la notice explicative. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'en vois pas. OK. Qui s'abstient ? Alors, le groupe de Monsieur Breton, on va dire comme ça, voilà. Okay. Le groupe de Monsieur Bell et Monsieur Raymond, il est pour ? Il est pour, voilà. OK. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. On te retrouvera tout à l'heure. Monsieur Renard, un petit retour. Oui, il s'agit de l'autorisation donnée à M. le maire de conclure les avenants à la convention du 12 septembre 2016 à intervenir pour le versement du solde des aides attribuées par le fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. Alors, dit comme ça, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle généralement les emprunts toxiques. Donc, la précédente équipe avait obtenu de l'État une aide sous la forme de 3 contrats. Tout ça vous a expliqué dans la notice explicative. C'est un total de 691 000 euros. De 2016 à 2021, il y a 391 000 euros, j'arrondis, 391 000 euros qui ont été versés et il nous reste à percevoir pour cette aide qui nous a débarrassé, je le rappelle, on a pu se débarrasser, il n'y a plus du tout d'emprunt toxique, je signale au passage. Donc il nous reste à percevoir 300 et quelques mille euros et l'État propose de faire un versement anticipé alors que normalement on devrait percevoir de l'argent jusqu'en 2028. Alors, en fait, il y a 2 contrats qui sont concernés. Il y en a un pour lequel on nous propose dès maintenant un remboursement anticipé. Donc, l'idée est d'autoriser M. le maire à accepter à faire des avenants pour que nous puissions bénéficier de ces remboursements anticipés. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je n'en vois pas. Juste une remarque. Oui, juste une remarque. C'était le fruit du travail de l'équipe précédente qui vous permet de récupérer les 300 000 euros. Et c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai bien précisé que c'était merci, l'équipe monsieur précédente. Merci, M. Renard, de l'avoir salué parce que c'était tellement. C'était tout à fait juste. C'est tellement rare de pouvoir obtenir des informations positives sur le travail qui a été fait accompli, puisqu'on a l'impression que Corbeil-Essonnes n'a démarré qu'à partir de 2020, quand vous avez pris le pouvoir, M. Piriou. Non, mais je vous confirme que c'est rare, c'est vrai. Donc est-ce qu'il y a... Alors, donc, cette observation étant faite, nous procédons au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Cette délibération est donc approuvée à l'unanimité. Merci Sylvain. Tu ne fâches personne ce soir. Bravo. Je fais attention, monsieur le maire. Monsieur Picard. Professeur Picard, c'est ça, oui. Mais professeur Picard, c'était les Batiscas, je crois que ça ne s'écrivait pas comme ça. Bien, je vais vous présenter une délibération sur une convention constitutive de groupement de commandes entre les communes de Corbeil-Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne, Étiolles, Lomalherbois, Risse-Orangis et Soisy-sur-Seine pour la passation et l'exécution d'un marché public d'études visant à diminuer le temps de parcours du RERD entre Paris et Corbeil-Essonnes. C'est un peu long comme titre, donc je vais en profiter pour faire le point sur le travail que nous faisons sur le RERD. Vous savez, je crois que je l'avais fait il y a deux conseils municipaux, j'avais fait un premier point, donc je vais y revenir assez rapidement. Vous savez que dès notre arrivée, nous avons souhaité introduire fortement la ville de Corbeil-Essonnes dans le débat sur l'amélioration du RERD, dans lequel la ville de Corbeil-Essonnes n'était pas, puisque la ville de Corbeil-Essonnes ne s'était pas exprimée sur ce qui a fait énormément polémique à l'époque, qui était la mise en route à partir de 2019 du service actif 2019, qui avait supprimé des trains directs pour toute la vallée de la Seine, pour la branche Malesherbes, dans ce qu'on appelle l'étoile de Corbeil, et la branche de Melun, et d'une part, et d'autre part, transformer le RER avec une métroisation totale, tous les trains se suivent l'un derrière l'autre et s'arrêtent à toutes les gares. À l'époque, les ensembles de communes se sont élevés contre, et des associations se sont élevées contre ce système, et elles ont, en collaboration avec des communes, et donc celle de Corbeil-Essonnes, décidé de produire de la contre-expertise à un aussi haut niveau, qui a conduit en avril 2021, si je ne me trompe, à la tenue sous confinement et en visio d'un forum RERD qui a été suivi par plus de 400 personnes. Ce forum a abouti à la création d'un livre blanc et d'un cahier de préconisations dont les recommandations ont été mises à l'ordre du jour de la concertation sur la refonte du schéma directeur du RERD qui est en cours actuellement. J'étais encore en atelier en visio mardi soir pour deux heures. Donc un certain nombre de questions, ce n'est pas terminé. D'ailleurs, l'atelier du mois de juin mettra à son ordre du jour une des propositions phares des associations et des communes qui sont la création d'une ligne S qui fait la Ferté-Alais, Malesherbes, la Ferté-Alais, Corbeil-Essonnes, la rive droite et direct Paris. Bref, on est dans la production de contre-expertise et parmi les moyens de cette contre-expertise, la ville de Corbeil-Essonnes a suggéré et obtenu l'aide de 6 autres communes pour se payer de manière indépendante une contre-expertise avec une étude d'un cabinet dont on l'espère qu'il sera suffisamment indépendant d'IDFM pour pouvoir faire ce travail, visant à jeter un regard sur la desserte actuelle et de voir si dans quelle mesure la desserte pouvait être repensée complètement à l'instar de ce qu'elle est sur le RERC, c'est-à-dire plus on habite loin et plus on a des trains semi-directs. Donc ça va porter sur la desserte, ça va porter sur la desserte heure creuse, et ça va porter sur toutes ces données-là qui vont permettre d'aboutir, on l'espère, à une amélioration du RERD, en tout cas pour 2026, pour le schéma directeur, et en tout cas plutôt avec des embryons d'amorce de la ligne S. Voilà, donc ce groupement de commandes a été passé entre les communes de Corbeil-Essonnes, Ballancourt qui participe, Étiolles, Lomalherbois, Risse-Orangis et Soisy-sur-Seine. Et vous voyez qu'il y a toutes les catégories de communes qui sont concernées par la desserte du RERD. Merci Jacques. Des remarques ? C'est bon. Merci en tout cas de... Tu deviens référent sur ces questions pour les élus du secteur et vraiment c'est... C'est important tant les usagers continuent de galérer pour aller à Paris et que si on veut réussir la transformation de Corbeil-Essonnes, l'un des enjeux, c'est de nous relier bien mieux à Paris et aussi en transversal aux autres communes. Oui, une petite question, monsieur Breton ? Non ? Oui ? Oui, je n'ai pas vu le prix de l'étude dans le document. Nous sommes en cours d'appel d'offres. D'accord. Nous sommes mis en compétition. Ce Corbeil va financer 47%, c'est ça, au regard de la population Non, Corbeil-Essonnes va financer 20%.
Pardon, excusez-moi, pour 47%, oui. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui est écrit. Non, non, excusez-moi, 47%, donc la moitié de l'étude, et les autres communes ont prorata dans population la même chose. C'est-à-dire qu'Étiole et Soisy, qui sont des petites communes, participent au prorata dans population. Voilà, en tout cas, c'est pas de l'étude. Vous savez, il y a des études très utiles. Hein. Bon, les études, en général, c'est... Mais vu la complexité, M. Breton, de... Pas polémiquer, c'est mais enfin, bon, c'est... un boulot important commence à Corbeil-Essonne sur ces questions. Échanger avec la SNCF, Île-de-France Mobilité, ce ne sont pas les administrations les plus faciles à voilà. Et donc, sur ce qui a été décidé par la région Île-de-France, c'est l'un des désaccords que nous avons d'ailleurs avec Stéphane Baudet à l'époque, hein, sur, eh bien, il y a besoin de contre-expertiser pour vérifier nos propres propositions pour aller plus vite à Paris, quoi, en gros, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment de l'argent utile pour pouvoir argumenter ce que fait Jacques, revenir bientôt, je l'espère, dans des forums pour les RRD sur ces questions, quoi. Voilà, c'est ça l'objet, quoi. Je suis pas un fan des études, Monsieur Breton, hein, mais oui, non, mais là il y a besoin. Il se trouve qu'en ligne mardi soir il y avait 40 communes, donc il y a une concertation qui est extrêmement élaborée et extrêmement exigeante pour les communes. Et de ce point de vue-là, nous voulons verser au dossier une contribution un peu iconoclaste sur la manière de voir la ligne. Ah, attendez, finissez de poser, on ne vous entend pas. Je dis, est-ce qu'on a une chance avec la contre-expertise, si elle vous donne raison, qu'elle soit adoptée, ou parce que ça serait dommage quand même que ça ne puisse pas aboutir, même s'il y a une contre-expertise, s'il n'y a pas d'engagement de l'autre côté. Vous imaginez bien que ce n'est pas blanc ou noir, hein, monsieur, je répondrai après. Oui, oui. Allez, on finit les questions. Madame Garcia. Oui, monsieur le maire et monsieur Picard, a-t-on toujours un chargé de mission qui s'occupe de ce dossier du transport sur la ville de Corbeil-Essonnes? Parce que je crois me rappeler que nous en avions un, au témoin d'un doute. Voilà, un nouveau va être recruté. Ah, mais nous en avions bien un. Tout à fait. Qui n'est plus là. Et on oui. Bon, et alors là, on est en train de voter une délibération et je lis un article des Échos, dont je me fais l'écho, si vous le permettez, monsieur le maire. Et je vois qu'il y a un nouveau rebondissement dans la réorganisation du RERD. Un comité de ligne qui s'est réuni le 30 novembre dernier a acté le principe d'une phase de test pour remettre des trains omnibus sans changement entre Malesherbes, Le Loiret et Juvisy-sur-Orge. Donc en fait, cette réflexion elle est déjà menée par Île-de-France Mobilité. Donc je m'interroge sur l'utilité de cette étude et du coup pour notre collectivité. C'est ce qui va justifier pour moi une abstention parce que j'ai l'impression que le dossier avance de toute façon. Ah bon. Mais c'est un article un article des Échos, là, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, considérer qu'il y a une manière intelligente de faire de la politique? Certainement, après, peut-être par vous. Non, non, mais attendez, c'est pas vous. Vous semblez penser que vous êtes particulièrement intelligent, donc je suppose que c'est par vous. Je vous le confirme, il l'est. Oui, peut-être. Est-ce que je peux... En tout cas, c'est pas vous que je visais, madame. Il fait illusion. Jacques Picard, tout seul. C'est pas vous que je visais, madame. Non. Je veux dire qu'à un moment donné... L'idée de ce forum est regardée du 21 avril 2021. C'est une idée que j'ai proposée aux associations dans le travail que nous avons fait préalablement de compte de production d'expertise pour dépasser le schéma 2019 qui avait été contesté. Mmh. Et c'était bien évidemment en phase électorale régionale que ce forum avait son sens puisqu'il interpellait ceux qui étaient candidats aux élections régionales. Nous avons fait ce travail. Stéphane Baudet, à l'époque, était vice-président en charge, n'a pas souhaité participer au débat. Cela dit, immédiatement après les élections... J'ai repris contact avec lui et j'ai discuté pendant une heure et demie dans son bureau de l'analyse réelle qu'il faisait du résultat du SR 2019. Je suis pas sûr que Stéphane Baudet soit particulièrement satisfait de ce qu'il a donné. Donc de ce point de vue-là, nous avons sa neutralité dans le travail que nous faisons aujourd'hui. Je vous ferai remarquer que les communes qui font ce travail d'étude sont des communes qui sont de bords politiques extrêmement différents. Donc est-ce qu'on va gagner? C'était votre question. Je n'en sais rien. Ce que je sais... C'est que les préconisations du forum d'avril 2021 ont été reprises et mises à l'agenda de la concertation. Voilà. De manière extrêmement précise, extrêmement argumentée. Pendant ce temps-là, Île-de-France Mobilité, qui n'est pas en défaveur de ce que nous proposons, est en train de faire effectivement des tests. Oui, c'est ce que j'ai vu, voilà. Oui. Mais ce n'est pas contradictoire avec ce que nous faisons par ailleurs. Parce que nous travaillons sur le schéma directeur.
Voilà. Bien, enfin, moi je ne conteste pas le doute sur les choix faits par M. Baudet. Je suis très nuancée aussi quant à ses choix, donc je me sens très libre. Mais je vous dis là que je suis étonnée de cette décision avec le nombre de communes qui finalement adhèrent à cette espèce de consortium, si je puis dire. D'autant plus quand on lit les décisions qui ont déjà été prises et qui sont relatées dans les Échos. Voilà. Non, les décisions ne sont pas prises. Il s'agit notamment de phases test de la Île-de-France Mobilité. Oui, mais c'est Mobilité. Ce que vous voulez. Donc ça m'a l'air de double nez. Bon, mais comme vous le savez, c'est Île-de-France Mobilité qui est l'autorité organisatrice et c'est la SNCF qui les met en place. Et on en est loin aujourd'hui. Et puis, bien, je m'abstiendrai sur ce vote. Très bien. Très bien, merci. Un dernier mot. Alors, c'est bon ? Pour être associé. Au lieu de faire des contre-propositions et de créer des contre. Des contre-expertises. Peut-être que vous pourriez vous faire associer au schéma initial avec la SNCF. C'est quand même mieux d'être au sein du bureau d'études. Et d'ailleurs, objectivement, c'est les seuls qui ont véritablement la compétence pour l'étudier. Les autres peuvent donner des grandes lignes. Un dernier mot, Jacques. Et la deuxième, l'autre question, pardonnez-moi, c'était pour compléter ce que venait de dire Frédéric, c'est que. Il n'y a que 6 communes sur la ligne qui sont intéressées par cette démarche. Non, vous n'avez pas bien écouté Jacques Picard. Jacques, répète, s'il te plaît. Non, évidemment, toutes les communes sont intéressées. Elles n'ont pas toutes pris leur part dans la lutte contre le SA 2019. Donc, les communes qui sont là sont les communes qui ont été le plus... Impactées par le sujet. Il y a une commune du Sud, il y a Valencourt-sur-Essonne qui a été extrêmement partie prenante dans la lutte contre le SA 2019. Je vous rappelle qu'avec la coupure de la ligne du Sud, 20% du trafic de cette branche s'était reporté sur la ligne C du RER à Marolles en voiture. Donc c'est un brillant résultat. Donc on a pris des communes qui sont le plus engagées dans le travail. Voilà. Dernier petit mot, parce que je pense que pour se fier à la qualité du fonctionnement du RERD et de ce qui est testé ou pas... Le mieux, c'est d'écouter les usagers et pas de lire les Échos. Parce que c'est pareil, sujet brûlant. Nous, on essaye d'aborder ici les sujets qui préoccupent le plus les Corbeil-Essonnois. Et en 2 ans, on a plus parlé du RERD ici qu'en 25. Donc, c'est un sujet majeur pour nous, majeur. Et si, Monsieur Bell, il était si facile d'être associé à la SNCF, ça se saurait, quoi, sincèrement, quoi. C'est sûrement l'une des administrations à la fois qu'on aime le plus parce qu'on est attaché au service public des transports en commun, mais enfin qui a beaucoup d'efforts à faire pour associer notamment les usagers et les agents au fonctionnement de cette institution. Donc, c'est vrai que c'est un peu fort de café pour les communes de devoir dépenser un peu d'argent pour faire nos études. Ben oui, eh ben on le fait. Parce que le pire, c'est l'inaction et... Ça me fait penser, je le dis, parce que c'est une anecdote, mais j'ai régulièrement un journaliste des Échos au téléphone, tous les mois, et il me pose plein de questions sur tous les projets, avec des articles plutôt sympathiques, donc je lui en veux pas, ce monsieur. Mais je lui dis, mais vous me posez plein de questions, je m'aperçois que vous n'êtes jamais venu à Corbeil-Essonnes. Il me dit, ben non, je suis jamais venu à Corbeil-Essonnes. Je lui dis, vous savez, moi, je veux bien vous inviter, parce qu'on gagnerait du temps... Venez, monsieur journaliste des Échos, venez à Corbeil-Essonnes, et puis on va faire un petit tour de ville, on verra tous les sujets sur lesquels vous écrivez régulièrement. Voilà, rien de mieux que les premiers intéressés pour se mêler de tout ça. Jacques n'est pas un élu technocrate qui travaille ces questions dans son coin. On a fait un premier forum à Corbeil-Essonnes, et il assiste régulièrement à des réunions qui ont parfois lieu à Soisy, sur Seine. Et voilà, il y a des communes qui se mobilisent, qui contre-expertisent, c'est un travail sérieux. Et en tout état de cause, il a plus de chances de gagner si on le mène, ce combat, que si on ne le mène pas. Et nous, nous avons décidé de le mener. Voilà. Donc si tout le monde est d'accord, il y a des abstentions, je crois. Qui s'abstient sur cette convention constitutive de groupement ? Le groupe de M. Bell, le groupe de M. Breton et M. Raymond ? Il vote pour. Il vote pour, très bien. Eh bien, écoutez, il a une gare... Pas très loin de chez lui, je comprends. Merci Jacques. Donc cette délibération est adoptée. Merci Monsieur Picard pour votre travail. Monsieur Piau, on revient vers vous pour adhérer au syndicat mixte hors Givette. Voilà, donc là c'est au titre de la compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le cadre de la mobilité électrique.
électrique. Donc c'est ce qu'on appelle communément IRVE. Donc la commune de Corbeil-Essonnes souhaite se porter candidate au déploiement d'infrastructures de charge publiques sur son territoire. Et le syndicat mixte, donc le SMOIS, conformément à ses statuts, est habilité à mettre en place et organiser pour ceux de ses membres qui lui ont confié la compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques. Donc le SMOIS a décidé de poursuivre le programme de déploiement d'IRVE et la commune souhaite y adhérer pour en bénéficier. Les précisions sur le sujet sont indiquées dans la notice explicative. Il est dès lors demandé au conseil municipal d'adhérer au SMOIS au titre de la compétence précitée, d'autoriser le transfert au SMOIS de cette compétence et d'autoriser également Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires en vue de l'exécution de la délibération et à la mise en œuvre du projet. Des remarques, Monsieur Breton ? Y a-t-il un agenda d'installation des... Oui. Il n'est pas encore complètement stabilisé, mais normalement, d'ici un an, on devrait voir les bornes, les premières, peut-être même avant. Mais on a une prochaine réunion en juin là, pour définir les emplacements. Le SMOIS a déjà les financements, les titulaires de marché tout, et tout ce qui va bien. Il faut qu'on fasse des études et j'ai bon espoir qu'en début d'année prochaine, on puisse voir les premières bornes dans l'espace public. Merci. Qui est s'abstient ? Contre ? Tout le monde est pour. Merci Frédéric pour ton travail sur ces nombreux sujets. Encore un marché d'entretien, de maintenance et de travaux. Ok. Donc là, c'est pour les ascenseurs, monte-charge, équipement pour personnes à mobilité réduite, porte automatique et automatisme de la commune de Corbeil-Essonnes. Donc voilà, une procédure d'appel d'offres a été lancée afin de conclure un marché public pour l'entretien, la maintenance et les travaux des ascenseurs, monte-charge, équipement pour les personnes à mobilité réduite. Donc sur l'ensemble des bâtiments communaux, et il comporte deux lots. Les caractéristiques essentielles des marchés publics et attributaires sont précisées dans la notice explicative. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des deux lots et d'autoriser Monsieur le maire à les signer ainsi que tous les documents afférents. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Alors, tout le monde. Monsieur Raymond, il fait quoi ? Pour. Il est pour. Tout le monde s'abstient, sauf Monsieur Raymond et nous qui sommes pour. Merci Frédéric. Monsieur Bourges. C'est lui. Bonsoir à toutes et tous. Donc, cette délibération consiste au remboursement des frais de garde ou d'assistance à la personne engagés par les élus municipaux en raison de leur participation à certaines réunions dans le cadre de leur mandat. Alors, ben non, il n'est pas là, Jacques. Non, je siégeais avec Jacques Picard il y a 27 ans et je faisais partie de ceux à l'époque qui étions actifs pour revendiquer un statut de l'élu. Donc petit à petit, il y a des choses qui se sont construites, et tant mieux dans ce pays. Et donc, en dernière date, cette loi de 2019, donc relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, qui ne contient pas que des aspects positifs, mais là, il y en a un qui est fortement intéressant et qui concerne donc les 503 000 conseillers et conseillères municipales dans ce pays. Donc, on met en place par délibération ces modalités précises qui sont fixées donc, dans le cadre de la loi et qui permet notamment de rembourser pour les communes de plus de 3 500 habitants sur ses propres deniers les frais de garde d'enfants, mais pas seulement les assistances aux personnes âgées ou les personnes en situation de handicap ou ayant besoin d'une aide personnelle. Ce remboursement ne peut pas excéder le montant du SMIC horaire. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont précisés. Ça concerne bien sûr les séances comme aujourd'hui du conseil municipal et aussi les commissions municipales ainsi que différentes réunions d'assemblées délibérantes ou bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune, je pense notamment à l'agglomération. Donc il y a un certain nombre d'éléments précis sur les conditions, les pièces justificatives, le caractère régulier déclaré de la prestation, une déclaration sur l'honneur, etc. Donc voilà cette délibération qui vous est soumise ce soir. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Monsieur Breton. Oui, nous on est particulièrement outrés. Alors c'est un texte de loi, on ne peut pas s'y opposer.
mais on considère que à Corbeil-Essonne, voilà, compte tenu du fait que vous soyez augmenté significativement vos indemnités dès le premier conseil municipal, nous estimons que vous êtes en mesure de prendre en charge ces frais de garde et tout ce qui peut permettre d'exécuter le mandat dans de bonnes conditions. Et que c'est quand même surprenant que vous souhaitiez bénéficier de cette indemnité, pour moi, de cette aide pour garder les enfants. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que cette délibération soit supprimée, au regard aussi des autres personnels de la ville qui, eux, n'ont pas cette chance, puisque on est quand même sur une période d'inflation à presque 5%. Les gens ont du mal à se loger, à payer leur caddie, à payer leur plein d'essence. Et là, vous octroyez cette possibilité-là que les autres n'ont pas. Donc, à titre d'équité et en solidarité au personnel que vous dirigez, on considère que cette délibération ne devrait pas s'appliquer pour les élus de Corbeil-Essonne. OK. Alors ensuite, Monsieur Bell. Monsieur Bell. Écoutez, nous approuvons parfaitement ce que vient de dire notre ami Breton. C'est absolument scandaleux. Tu as fait référence, Eric, au personnel communal. Moi, je vais faire référence aux employés de la ville, aux employés du secteur privé, du secteur public. Aucune entreprise n'offre ce type de garantie. Parfois, les entreprises favorisent l'installation de crèches à l'intérieur des locaux, donc ils favorisent... disons qu'ils accompagnent un peu des installations de crèches, mais jamais ils ne payent les prestations. Et donc, voilà, c'est inadmissible. Et encore une fois, au regard de l'augmentation des indemnités, car je rappelle que ce que vous touchez, que chacun d'entre nous touche, puisque nous avons, par la grâce de M. Piriou, l'honneur de toucher 201 euros... chaque mois pour nos prestations de conseiller d'opposition, que vous êtes bon, très 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 au-delà, puisque nous savons donc en tout cas 150% au moins au-dessus de ce que touchait l'ancienne majorité. Donc ce sont des indemnités, ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnités. Ces indemnités sont destinées à couvrir les frais et les conséquences de votre mandat par rapport à vos carrières professionnelles ou à vos carrières privées ou personnelles. Ce ne sont pas des salaires. Donc la garde d'enfants, elle doit faire partie de ce qui est indemnisé. Madame Garcia. Je suis plus nuancée. C'est-à-dire que je pars du principe que, à partir du moment où le gouvernement a pris cette décision, elle permet aussi de favoriser l'action des politiques. Et moi, ça me paraît une bonne initiative. Mais là où je rejoins mes collègues, c'est dans le fait qu'à Corbeil-Essonne, vous vous êtes montré très généreux avec vous-même. Et j'estime trop généreux. Vous l'avez fait dans une période de Covid où les Français, globalement, rencontraient des difficultés. À Corbeil-Essonne, vous le savez, vous aussi, sans tomber dans le misérabilisme, on sait que ce n'est pas une ville riche, où vous avez des employés municipaux qui rencontrent des difficultés. Vous avez, par exemple, des femmes de ménage sur la ville qui se réveillent très tôt le matin, qui travaillent tard le soir, qui seraient certainement aidées, qu'il faudrait, elles, aider en priorité pour la garde d'enfants ou de personnes âgées en difficulté, voire des handicapés. Donc, je trouve ça assez, encore une fois, indécent de votre part. Alors, je ne sais pas, monsieur le maire, je vous pose la question, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est facultatif que d'avoir accès à cette possibilité? Donc, là où je rejoins aussi mon collègue, monsieur Breton, c'est si ce n'est pas obligatoire, je pense pertinent que vous dispensiez, au regard du montant de vos indemnités, de cette possibilité, car franchement, là, ça atteint des niveaux indécents, indécents. Très bien, merci. Madame Ketfi. Merci. Mais écoutez, vous ne serez pas surpris, je vais rejoindre exactement ce qui a été dit précédemment, à la nuance que je pense que ça peut être intéressant, parce que les femmes sont les personnes qui sont les premières touchées par les gardes d'enfants, et ça peut être en effet une mesure de pouvoir mettre en place, enfin assister en tout cas, et réaliser son mandat d'élu.
Cependant, je vais rejoindre tout ce qui a été dit. L'augmentation assez importante des indemnités qui a été octroyée au premier conseil municipal devrait pouvoir permettre de subvenir à ce type de dépenses. D'ailleurs, les 25 ans, les 25 dernières années, toutes les femmes et toutes les personnes qui étaient autour de cette table ne bénéficiaient pas de ces indemnités et pourtant, ils étaient présents et ils venaient au conseil municipal. Donc je pense que... Oui, à des heures plus tardives d'ailleurs. Moi je trouve qu'il y a une certaine... Enfin, ce que je trouve indécent, c'est que vous vous octroyez en fait des avantages que vous ne mettez même pas en place pour les agents communaux que vous dites défendre et que vous dites soutenir. Moi je pense qu'avant de... Avant de penser à nous autour de cette assemblée et de nous octroyer des avantages, parce que finalement vous les octroyez à tout le conseil municipal, moi je souhaite que ces avantages soient d'abord en priorité proposés au personnel de la ville. Alors, avant que Frédéric... Allez-y. D'autre part, monsieur le maire, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que des familles monoparentales à Corbeil-Essonne. Ce qui veut dire que dans un... C'est une question ? C'est une question auprès des... Je vous confirme qu'il n'y a pas que des familles monoparentales à Corbeil-Essonne. Et parmi nos élus, ce qui veut donc dire que quand l'un est au conseil municipal, l'autre peut peut-être aussi garder les enfants ou s'occuper de la grand-mère ou du grand-père en grande difficulté, enfin, je veux dire. Donc voilà, bon. Je trouve ça particulièrement inapproprié. Très bien. Donc avant que Frédéric Bourges ne conclue, Martine Soavi voulait dire un mot. Oui. Alors, si je suis d'accord avec vous sur tous les arguments que vous avez avancés concernant l'ensemble des travailleurs du pays à bénéfice de ce genre de choses, sauf que la loi, elle est bien sur l'engagement pour les citoyens qui s'engagent. Donc, je ne vois pas pourquoi vous essayez de semer la confusion. Il y a là une malhonnêteté intellectuelle qui me dépasse. Mais enfin, bon, voilà, pour moi, c'est de l'agit-prop, ça ne sert à rien d'autre. Et le fond, là-bas, ferait bien d'écouter ce qu'on dit. Je voudrais simplement... C'est ma mère qui m'appelle. Personne en difficulté. En l'occurrence, ça n'est pas le débat. Et si Mme Ketfi est un jour élue à l'Assemblée nationale, elle pourra porter le débat et nous la soutiendrions à ce moment-là. Je voudrais revenir sur les indemnités que nous percevons. Effectivement, nous percevons des indemnités, ça n'est pas nouveau, ça a été inventé, je dirais, il y a bien longtemps. Il y a autour de cette table un grand nombre d'élus qui ont modifié leur temps de travail pour pouvoir travailler à la mairie. Donc du coup, il y a effectivement une baisse de salaire. L'indemnité, elle sert à ça. Vous l'avez signalé, il y a beaucoup de femmes, hélas, à qui la garde des enfants incombe. Ça arrive très souvent. J'ai dit très souvent, ce qui veut dire que ça incombe aussi aux pères, mais enfin, en l'occurrence, c'est souvent les femmes. Et que cette possibilité soit offerte aux femmes de faire de la politique, de s'engager, moi, je trouve ça plutôt bien. Et ce que vous faites, ce n'est que détruire quelque chose qui est bien pour tout le monde. Parce que si... Nous gagnons ça maintenant, nous les femmes, nous gagnerons dans d'autres endroits, à l'hôpital, quand il y a des gardes de nuit, dans les entreprises où les femmes sont obligées de travailler la nuit, etc. Donc franchement, gardez votre imagination pour d'autres sujets, mais pour celui-là, qui est une loi qu'on doit respecter, je vous invite à voter pour. Monsieur Bourges, pour conclure. Oui, écoutez, je suis un peu surpris de voir que pour les élus du peuple, chers collègues et élus de la République... La loi de 2019, donc, qui a été votée et qui est applicable et appliquée, s'impose à nous et s'impose dans le sens où on doit pouvoir effectivement délibérer pour pouvoir créer les conditions que les élus qui siègent ici autour de la table, et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en France, il y a 36 000 communes, plus de 500 000 personnes, hommes et femmes, qui siègent dans les conseils municipaux, et donc c'est une possibilité supplémentaire qui est offerte pour un certain nombre d'entre eux, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles particulières, c'est bien l'ensemble des gens par rapport à des situations de garde d'enfants, des situations de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées, et c'est une possibilité supplémentaire. Ça n'enlève rien, c'est un droit possible qui n'enlève rien
pour l'ensemble des travailleurs de France et qui peut au contraire être un point d'appui d'ailleurs pour pouvoir pousser plus loin. Vous évoquez quand l'hôpital sud-francilien s'est construit, a été adossé une crèche privée Babylou à côté avec une contribution assez importante de l'employeur du CHSCF. Et donc on pourrait aussi imaginer de réfléchir et poursuivre beaucoup plus loin. Donc cette disposition légale et qui... je trouve est tout à fait normal parce qu'elle pourrait être opposable d'un point de vue juridique de la part d'un certain nombre d'élus. Et je ne suis pas sûr non plus que c'est une obligation qui s'impose à l'ensemble ici, chers collègues, de pouvoir recourir systématiquement. Mais c'est une possibilité qui est offerte, qui permet aussi de pouvoir que l'ensemble du conseil municipal et des conseils municipaux ne soient pas gênés ou entravés s'il y a effectivement un certain nombre de difficultés dans la famille, de garde, de ceci et de cela. Donc c'est une incitation à ce que l'ensemble des conseils municipaux puissent participer pleinement à la vie publique, et je crois que c'est un signal fort. Je ne pense pas qu'il va y avoir un débordement budgétaire quand on paye le SMIC horaire pour des gardes d'enfants ou autre. Donc peut-être on conclut là-dessus, on passe au vote. Très bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est contre ? Monsieur Raymond également ? Monsieur Raymond est pour. Très bien, merci. Et donc qui est pour ? L'ensemble. Merci, plus Monsieur Frédéric, Raymond. Merci pour cette belle délibération. On continue avec la création du comité social territorial commun. Donc la création de ce comité social territorial est issue également de la loi de 2019, 6 août 2019, sur la transformation de la fonction publique. Donc là, on a aussi une déclinaison dans la fonction publique donc, de la fusion des comités techniques et des CHSCT, comme il y a eu pour les comités d'entreprise et les CHSCT. La caractéristique un peu spécifique de la fonction publique fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui perdurent et qui verra quand même perdurer un certain nombre d'éléments forts dans la fusion de ces deux organismes, des comités techniques et des CHSCT. Pas maintenu, mais créer ce qu'on appelle une formation spécialisée, qui n'est pas un site de formation, mais qui est une sorte de commission en interne de ce comité social territorial donc unique, qui sera donc une sorte de commission qu'on appelle une formation spécialisée concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail. Donc il nous est fait obligation donc de pouvoir délibérer sur la création de ce comité social territorial. Toutes les collectivités seront concernées avec les élections professionnelles qui interviendront donc le 8 décembre 2022, donc avec la création, je dirais, officielle et effective de ce CST au 1er janvier 2023. Donc je vous soumets le vote de cette délibération après un avis unanime du comité technique commun de la collectivité. Qui s'abstient ? Des remarques, madame Garcia ? Peut-être des remarques ou des questions ? Allez-y. Monsieur le maire, je crois me rappeler que l'opposition n'est pas représentée dans cette instance. Donc la question que je posais simplement, c'était comme j'avais eu l'occasion de le poser déjà, je n'avais pas eu de réponse de votre part à ce sujet, monsieur le maire. Concernant la présence d'élus de l'opposition dans la commission marché, par exemple, vous deviez vous renseigner et revenir vers nous pour nous fournir une réponse. Et là, je crois que l'opposition non plus n'est pas représentée. Je le regrette, parce que bon, sur la gestion de ce genre de problème, je pense qu'il serait intéressant que l'opposition soit présente. Voilà, c'est tout, mais bon. En fait, on a vraiment cherché à vous associer, mais c'est la loi, et on respecte non, mais la loi. Voilà, très bien. Donc on respecte la loi. Voilà. Mais et en revanche, pour la commission des marchés. Pareil. Non, pareil. D'accord. Voilà. Donc Frédéric. Oui, peut-être une petite précision complémentaire, c'est que sont concernés l'ensemble des effectifs, évidemment des agents de la commune et des agents qui sont au Centre communal d'action sociale, ainsi que la Caisse des écoles de Corbeil-Essonne, qui sont concernés par l'ensemble de ce dispositif. Leur propre structure sera amenée, dans les prochains jours d'ailleurs, à pouvoir donner aussi un avis. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Tout le monde est pour. Oh, pardon. Qui est contre ? Pas de contre, tout le monde est pour. Pardon. Merci Frédéric. Tout le monde est pour. Oui. D'accord. Sur le point suivant, on passera que le A, puisqu'on n'est pas tout à fait prêt sur le B, donc on le passera une prochaine fois. Donc la mise à jour du tableau des effectifs, point A. Oui, donc sur le point A de la mise à jour du tableau des effectifs, à la grande satisfaction
je vois Michel Nouaille qui trépignait ces derniers temps et avec juste titre. On avait eu dans la ville de Corbeil une psychologue ou un psychologue, donc on va recréer ou créer ce poste qui permettra d'embaucher à temps complet psychologue de classe normale qui permettra de pouvoir intervenir en appui et en soutien auprès de l'ensemble des affaires scolaires, enfance et petite enfance. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur cette modification et cette création du poste de psychologue ? Tout le monde est pour ? Oui ? Tout le monde est pour ? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Les abstentions ? Abstention. Du groupe de M. Breton, et aussi du groupe de M. Bell. M. Raymond, il est pour le psychologue ? Il est pour. Très bien, merci. Merci bien. Délibération adoptée. Merci Frédéric. Michel Nouaille demande... Oui, il s'agit du renouvellement d'une convention entre la ville et la CAF pour favoriser les départs en vacances d'enfants et de jeunes de 4 à 19 ans, afin de permettre que plus d'enfants et de jeunes puissent partir en vacances, afin d'offrir un plus large choix de séjour et garantir l'accueil, la qualité de l'accueil, puisque cette aide finalement de la CAF en direction des familles allocataires est conditionnée à la labellisation des séjours par la CAF. Voilà, donc c'est une délibération qui porte sur l'aide que l'on apportera au départ en vacances. Donc je lis, depuis le 1er janvier 2022, la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne met en place le dispositif aide aux vacances enfants qui remplace les anciens dispositifs afin de promouvoir les séjours d'enfants et adolescents de 4 à 19 ans durant les vacances scolaires organisées par des organismes agréés par la CAF. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande de renouvellement de la convention de partenariat à conclure entre la commune de Corbeil-Essonne et la CAF de l'Essonne, d'autoriser M. le maire à engager les démarches et les négociations, ainsi qu'à signer tout acte en vue de l'exécution de la délibération, notamment la convention de partenariat à intervenir. Y a-t-il des questions ? Oui. Oui, Michel, nous étions en commission et nous nous étions interrogés sur le faible montant attribué de 2120 euros pour 2021. On voulait avoir des précisions sur ce chiffre. Donc, effectivement, la CAF est intervenue à hauteur de 2000 et quelques euros. Ça veut, pourquoi ? Parce que, premièrement, nous étions en période Covid. Et deuxièmement, il y avait, rappelez-vous, une offre intéressante, dite vacances apprenantes, dispositif gouvernemental, qui avait pour but de favoriser le départ d'enfants en vacances en apportant une aide conséquente aux familles et aux communes. Donc ce dispositif a été un réel succès, puisque nous sommes, la ville s'est inscrite dans ce dispositif. Je n'ai plus en tête les effectifs exacts, mais c'était le double d'enfants qui sont partis en vacances. Et donc évidemment, les familles se sont orientés vers cette proposition. Et en plus, il y avait les contraintes sanitaires qui ont fait que peut-être que d'autres familles ont préféré garder leurs enfants auprès d'eux. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en 2020, le montant de l'aide de la CAF a été relativement limité. Voilà. On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Personne ? Tout le monde est pour ? Je te remercie, Michel. Madame Soavi. Convention de partenariat entre la Mutualité française Île-de-France et la commune de Corbeil-Essonne. Oui, alors c'est une délibération que l'on a régulièrement puisque l'action entre la région, la Mutualité française et la ville de Corbeil existe depuis plusieurs années. Il s'agit donc d'approuver la convention de partenariat entre la Mutualité française Île-de-France et la commune de Corbeil-Essonne pour la mise en œuvre de journées de check-up santé, cœur et sens au sein du centre municipal de santé et de son antenne de Mon Conseil. Donc, c'est un projet, en fait, un parcours de santé qui concerne les personnes de plus de 60 ans sur plusieurs actions. Les dépistages de la vue, auditions, maladies cardiovasculaires et bucco-dentaires, avec des intervenants, évidemment, qui sont des professionnels de santé. Il y a 4 dates qui sont prévues, le 16 juin, le 19 octobre et le 24 novembre. Donc, notre service communication
mettra à la disposition de la population toutes ces dates. Donc c'est gratuit et à chaque fois c'est un grand succès. Et nous avons le projet de développer ça justement autour des femmes en situation précaire. Et on interviendra aussi dans ce sens-là au centre des réfugiés que nous avons inauguré hier. Donc si vous n'avez pas de questions. C'est bon. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci, Martine. Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Une délibération dont nous sommes fiers, qui va être présentée par Madame Aïssa Mounia. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais faire la présentation de la délibération d'une création, d'accord, de la création d'un observatoire communal des violences faites aux femmes. En vertu de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, il est proposé au conseil municipal de créer un observatoire des violences faites aux femmes sur le territoire de Corbeil-Essonne. Les violences faites aux femmes est un réel sujet d'actualité auquel nous avons décidé de nous attaquer. En effet, les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et la lutte contre les violences faites aux femmes sont trois axes forts et transversaux de notre politique publique. Il est essentiel de mettre en place un dispositif innovant et pérenne. En France, la prise de conscience est récente, mais progressive. Elle s'installe dans le paysage des luttes. L'ensemble des actions menées ont démontré l'ampleur du silence des femmes, l'occultation des violences subies par les femmes et les difficultés liées à la place de la femme dans l'espace public. Ainsi, l'ampleur du phénomène de violence conjugale, pour exemple 113 féminicides en 2021, et la gravité de l'impact sur les victimes ont rendu nécessaire la mise en place d'une politique publique partenariale dédiée. Nous avons mené un travail sans relâche depuis 18 mois. Celui-ci s'est concrétisé par la rencontre et la connaissance des acteurs du territoire, la mise en œuvre et le succès des événements autour des journées du 25 novembre et du 8 mars. Ce travail matérialise aujourd'hui la création du premier observatoire communal de l'Essonne des violences faites aux femmes. L'observatoire aura comme objectif de construire une structure partenariale entre les services des collectivités territoriales, les services de l'État et l'ensemble des acteurs intervenants auprès des femmes victimes de violences. Son rôle est d'observer, de diagnostiquer et d'innover afin d'apporter au niveau territorial des réponses concrètes et constructives. Il permettra une mise en réseau rapide et efficace afin d'accompagner au mieux les victimes de violences. La prévention, la sensibilisation et la formation seront également trois axes forts à investir par l'Observatoire. Les membres prévisionnels de l'Observatoire sont les suivants. Pour la commune, la police municipale, le centre de santé municipal, le relais citoyen. Pour les institutions, le CCAS, la police nationale, la CAF, le parquet de l'Essonne, le centre hospitalier sud-francilien, la maison départementale des solidarités, le service des protections matérielles et infantiles, l'éducation nationale, le conseil départemental d'accès aux droits, l'ordre des avocats au barreau, le conseil départemental, la préfecture et le centre Aubertine-Auclair. Pour les acteurs privés, immobilière 3F, mille et une vies Habitat, le réseau des bus TIS. Pour les associations, MediaVib 91, Femmes Solidarité 91 et le CIDFF, Justice et Ville et la MJC Fernand Léger. Cette liste est amenée à évoluer à mesure que l'Observatoire se développera. La transmission des données au sein de l'Observatoire sera encadrée par la mise en place d'une charte de confidentialité.
il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de l'Observatoire communal des violences faites aux femmes. Avez-vous des questions ? Madame Garcia. Évidemment, je suis tout à fait favorable à cette initiative, mais je m'interroge quand même un petit peu. J'ai l'impression que vous juxtaposez sans arrêt les choses. Et quand est-ce qu'on rentre dans le concret, là, dans ce que vous avez fait pour aider et accompagner ces femmes en grande difficulté ? Parce que je me rappelle, je crois me rappeler, n'hésitez pas là aussi à me reprendre si je me trompe, mais je crois me rappeler que vous aviez eu recours à une association qui était chargée d'une espèce d'état des lieux, que vous avez une chargée de mission. Alors j'ai l'impression que tout cela se juxtapose et qu'on n'arrive jamais à sortir quelque chose de vraiment concret sur les difficultés concernant ces femmes qui sont battues. Donc voilà, c'est une question que je vous pose. Et voilà. Donc j'aimerais qu'on rentre maintenant là. Voilà, on a mené telle action, on a fait ça, on a accompagné telle femme. Parce que d'études en contact, que se passe-t-il ? Merci. D'accord. Alors, effectivement, la première action que nous avons faite, nous avons créé, fondé une association... loi 1901 pour cette question. Ça, c'est l'association de la ville, enfin de la ville. C'est l'association qui est sur la ville, d'accord ? Qui, bien entendu, écoute, les personnes vont les voir, nous remontent des données, le temps, voilà. Si pour l'instant cette association n'est pas encore dans l'observatoire, le temps qu'elle se forme, voilà, le temps qu'elle se forme et le temps que nous y travaillons à d'autres perspectives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit qu'on a embauché une chargée de mission. Ben oui, il était temps. Il était temps parce que... Non, je vous réponds. Franchement, je vous réponds. Il était temps parce que sur des questions aussi importantes, il faut des professionnels. Il faut des professionnels. Et cette chargée de mission, si on a embauché une chargée de mission pour, entre guillemets, rester dans un bureau et ne rien faire, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Dans ce cas-là, la problématique de la prise en charge des femmes victimes de violences, parce que surtout, on va commencer petit, l'Observatoire va s'occuper au départ, ça va s'ouvrir au fur et à mesure du temps, des femmes victimes de violences conjugales. Alors, la prise en charge d'une femme victime de violences conjugales est très difficile. Une femme, pour qu'elle puisse déjà se rendre compte qu'elle est victime de violences conjugales, il y a un travail à faire entre elles-mêmes. S'il n'y a personne pour l'aider, pour l'accompagner, elle ne bougera pas. Ne serait-ce que le fait d'aller pousser une porte pour aller au commissariat. Nous, cet observatoire, je comprends ce que vous voulez dire, cet observatoire qui, entre guillemets, va être une ressource importante, nous allons recevoir, on commence à recevoir des femmes victimes, nous allons, dès le départ, les aider à aller au plus vite des problématiques. Si c'est une femme qui a besoin d'abord d'un soutien psychologique, avant de l'envoyer déposer plainte, on va lui prendre rendez-vous avec un psychiatre, un psychologue, dont on a commencé à faire des partenariats. C'est pour ça qu'avant de créer cet observatoire, la chargée de mission a fait un travail de démarchage, un travail voilà, est partie voir chaque institution pour qu'ils puissent intégrer cet observatoire, pour qu'ils puissent aller plus vite. Si c'est une femme en grand danger, on va, comment dire, l'extraire. On prend cette femme seule, ou avec enfants, et on va se diriger. Ici, on a l'association Femmes Solidarité 91 qui a à sa disposition plus d'une centaine de logements où on va loger la femme. Le temps qu'elle y loge, le temps qu'elle s'y repose, après nous allons retourner avec les associations réelles pour aller suivre le dossier. Là, on est dans le concret. On a toujours été, franchement, on a toujours été dans le concret dès la prise en compte de ma délégation. J'ai toujours accompagné les femmes, même si je n'étais pas entre guillemets spécialisée dans cette question, mais il y avait toute l'administration derrière moi qui a tout mis en œuvre pour accompagner ces femmes.
Ce que je peux vous dire, nous avons pris le cas dernièrement d'une femme. Au lieu que son cas reste 6 mois, ne serait-ce que le fait d'aller chercher un avocat avec une aide juridictionnelle, de déposer plainte, tout ça, ça s'est fait en 7 jours, Madame Garcia. Ça, c'est du compris. Non, mais c'est du compris. Ça s'est fait en 7 jours. Une femme qui est en... c'est dommage que je n'ai pas distribué des violentomètres. Une femme qui est, on dit, en code rouge. Eh bien, on va passer, la chargée de mission, bien entendu, passera par la police nationale, bien sûr, par la police municipale, mais directement aussi par le parquet. C'est comme ça qu'on va essayer de faire au maximum pour aider ces femmes. Après, il y aura tout un suivi derrière qui pourra nous faire faire notre diagnostic. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Merci, Mounia. On est tous derrière toi sur ce travail. Savoir quand même que c'est l'un des premiers en France communal. Qui est mené, que l'installation se fera le 23 juin. Et d'ores et déjà, ton travail, l'ensemble des associations mobilisées, on sait qu'il y en a d'autres qui aujourd'hui ne sont pas dans l'observatoire, et donc cet observatoire pourra évoluer. Mais d'ores et déjà, le travail de la municipalité mené par toi a permis de venir au secours de femmes, d'en sauver, d'en accompagner. Donc c'est un travail remarquable, je voulais... te féliciter. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour. Merci sincèrement, Mounia. Monsieur Jacques Kervé, marché public d'enlèvement de mise en fourrière. Attribution du marché public d'enlèvement de mise en fourrière de véhicules pour la commune de Corbeil-Essonne. Pour satisfaire les besoins de la commune de Corbeil-Essonne de retirer de la voie publique les véhicules ventouses présentant un danger pour la sécurité publique, et compte tenu du coût prévisionnel nécessaire, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de ce marché public à l'entreprise MFK Transport Dépannage 3J, située à Longjumeau, qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, et d'autoriser M. le maire à signer l'accord cadre correspondant. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. J'imagine que Monsieur Bell. Oui. Écoutez, nous sommes très intéressés par cette délibération. Bien qu'il s'agisse d'un marché public, donc comme tous les marchés publics, nous nous abstiendrons, naturellement, puisque nous ne faisons pas partie de la commission d'appel d'offres. Toutefois, donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la formule que vous mettez en avant dans cette délibération, dans la notice explicative, c'est... La commune de Corbeil-Essonne se devant d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, il convient, etc. Eh bien, c'est quasiment la première fois qu'on vous entend, puisqu'on suppose que c'est vous qui parlez, monsieur le maire, dans cette notice explicative, en tout cas c'est en votre nom qu'on parle, d'assurer véritablement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique, et on a le sentiment quand même d'en être très loin. Donc nous avons constaté une quantité de signes qui montrent que vous ne vous en occupez pas sérieusement. Donc nous avons parlé du fait, on va faire un petit historique, qu'il n'y avait pas d'adjoint au maire chargé de la sécurité. Nous avons noté que malgré vos promesses de campagne, vous n'aviez pas atteint les chiffres d'employés à la police municipale. Nous avons noté que lors du dernier budget, la part sécurité dans votre budget avait diminué par rapport à l'année précédente, alors même que le budget de fonctionnement augmente de manière importante. Je ne vais pas dire exponentielle tout de même, mais importante. Voilà. Donc, où en êtes-vous, monsieur le maire ? Nous aimerions avoir donc votre... description de la politique municipale et nous verrons après si le sentiment des Corbeil-Essonnois, s'il y a cohérence entre le sentiment des Corbeil-Essonnois sur votre politique et leur sentiment d'insécurité précisément dans cette ville de Corbeil-Essonne. Monsieur le
Madame Garcia. Moi, j'aimerais bénéficier aussi, monsieur le maire, d'informations concernant le devenir du commissariat, puisque bon, le projet est tombé à l'eau dans cet emplacement que moi j'estimais moyennement judicieux à mon conseil, mais enfin bon. Et où pensez-vous ? Il semblerait aussi que vous vouliez déplacer la police municipale. Enfin bon, ce sont des bruits. Alors je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou vraiment des bruits fondés. Donc on aimerait avoir des précisions sur votre politique en matière de sécurité. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y en a pas, en fait, si vous voulez. Et on a constaté aussi que sur la ville, les actes de vandalisme, les cambriolages, etc., sont nombreux. Hein. C'est ce que nous disent les Corbeil-Essonnois, et sont même en augmentation. Donc, encore récemment, il y a une attaque à des biens au Tarteret, l'incendie d'un bâtiment. Bon, voilà. Donc, on aimerait une clarification là-dessus, car comme vous le savez, ça fait partie de nos priorités. Merci. C'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Merci. Je dis un petit mot. Vas-y, Hervé, puis je dirai un petit mot après, comme ça. Je suis interpellé. Alors, concernant la formule tranquillité, insalubrité et sécurité, rien de nouveau là-dessus, puisque quand on retire un véhicule épave d'une rue, on répond à un problème de sécurité, on répond à un problème d'insalubrité, enfin de salubrité, pardon, et de tranquillité publique. L'année dernière, la police municipale a retiré plus de 500 véhicules de la voie publique, ce qui était le double des années passées, puisqu'on avait dans nos rues, et on a encore dans nos rues, malheureusement, beaucoup de véhicules qui ne bougent pas, qui prennent des places pour les riverains. Donc notre objectif, et nous allons continuer comme ça sur le restant du mandat, est de lutter contre ce stationnement abusif. Ensuite, pour ce qui est des rumeurs de changement de poste de police municipale, ce n'est pas une rumeur, puisque c'est une étude que nous faisons effectivement actuellement. Le poste de police municipale est dans un état lamentable, puisqu'il n'a jamais été entretenu, rénové ou quoi que ce soit d'autre. Depuis leur installation là-bas, à l'époque, les travaux ont été faits, et depuis, plus rien. Donc du coup, il n'est pas adapté, en plus de ça, pour accueillir un service de police municipale, une association, je ne sais pas quoi d'autre, mais pas un poste de police municipale. Donc, effectivement, nous étudions la possibilité de les déménager dans d'autres locaux plus spacieux et où ils pourront stationner leur véhicule de police municipale dans une cour sécurisée. Pour l'instant, il y a plusieurs projets. Quand le projet aura abouti, on vous en fera part à ce moment-là. Merci Hervé. Bon, je conclue sur ce point, parce que voilà, c'est la fourrière, hein, d'abord. Hein. D'abord, je crois que Madame Malit est bien là, non ? Eh bien oui, elle est là. Donc, puisque on ne fait pas rien, puisque vous avez félicité ce jour une de nos adjointes suite à votre interpellation pour enlever deux voitures, et vous nous remerciez parce qu'elles ont été enlevées. Donc déjà, merci Madame Malit, et en tout cas, vous n'êtes pas la dernière pour nous alerter aussi quand il y a des voitures à enlever, donc vous le faites, on le fait, puis vous nous remerciez. Donc pour ce qui est déjà de la libération sur la fourrière, tout le monde sera d'accord. On n'a jamais d'ailleurs autant fait appel à elle, à tel point qu'il n'y avait plus d'argent dans le budget et qu'il a fallu qu'on en remette. Voilà, donc ça c'est sur la fourrière. Voilà. Sécurité, le stationnement, ça a à voir avec la sécurité déjà, hein. Alors, je ne sais pas si c'était, quand c'est une priorité, pour vous, ce n'est pas terrible, parce que vous êtes une des rares villes de plus de 50 000 habitants où on n'a pas eu de réglementation de stationnement pendant plus de 5 ans. Voilà. Donc, priorité, quand c'est prioritaire, l'efficacité est inversement proportionnelle. Il fallait le faire. Plus de 50 000 habitants, plus de réglementation de stationnement. Les gens cherchaient à payer dans les parcs-mètres, ça ne marchait plus, il fallait passer des marchés, vous ne l'avez pas fait. Nous, en 2 ans, on a privilégié de remettre la zone bleue. Elle fonctionne. On reçoit des remerciements déjà sur la... Attendez, s'il vous plaît. Elle fonctionne, puisque sur la rive droite, les premiers contraventions sont mis en place. Et j'ai croisé encore hier une équipe d'ASVP qui mettait des petits papiers dans le centre-ville de Corbeil-Essonnes pour informer que maintenant, que tout ça est dessiné au sol. Il va falloir faire attention, puisqu'on allait aussi verbaliser. Donc, et cette zone va s'étendre. Ça, c'est la sécurité
qui permet aussi de lutter contre les incivilités. Dans cette ville, on ne fait pas n'importe quoi. Dorénavant. Après, notre politique en matière de sécurité, je m'en suis entretenu avec Hervé, on en discutera avec la majorité, mais on suggère que ça serait pas mal, peut-être qu'à la rentrée, on fasse une réunion publique sur ces sujets, parce que c'est un vrai sujet. En 25 ans, il n'y a jamais eu un débat public là-dessus. Jamais. Avec des centaines d'habitants. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Et c'est un sujet suffisamment important. Vous savez, une petite confidence. J'ai toujours travaillé avec les commissaires de police, puisque même en étant élu de l'opposition, soit comme conseiller municipal, soit comme conseiller général, qu'est-ce qu'ils me disaient ? C'était compliqué de travailler avec l'ancien maire. Qu'on fait la presse d'aujourd'hui. Je dis ce que les commissaires de police m'ont dit pendant des années, et que des fois, ils étaient plus préoccupés, texto, d'aller chercher au petit matin en garde à vue des collaborateurs de l'ancien maire. D'accord ? Et que depuis que nous étions là, je vois que vous avez bien choisi vos supporters, depuis que nous sommes là, nous travaillons avec Hervé régulièrement avec la police nationale, le préfet, sur toutes ces questions, de telle sorte que nous sommes en mesure de vous répondre très précisément sur les questions que vous posez. Et d'ailleurs, nous avons eu la réputation d'être des élus courageux, incorruptibles, qui ne céderaient à aucune pression. Et je peux vous dire, à bon entendeur, salut, parce que ça va continuer comme ça pendant 4 ans. Donc, poste de police municipale, oui, ce n'est pas une rumeur, Hervé a raison. Ils nous disent être à l'étroit dans les locaux que vous l'avez confiés. Ils vont sûrement, nous travaillons à cela, revenir dans d'autres locaux, plus importants, là où ils étaient, rue de Champ-Louis, et ils me disent être satisfaits. Leur recrutement, je relance un appel, on fait des efforts avec les moyens financiers que nous avons pour revaloriser le traitement, les conditions de travail des agents, et nous avons plusieurs postes à pourvoir, et personne ne fait les malins ici, parce que les villes sont en concurrence, à part la ville de Hyères qui vient d'exploser le traitement des policiers, qui fait qu'ils captent des policiers de partout, y compris des Vricourt-Couronne, eh bien, nous, voilà, il y a une pénurie aujourd'hui de policiers municipaux, donc voilà, mais c'est budgétisé, il y a de l'argent pour ça, et on souhaite. On a même reconnu que pour certains, et ça fait encore débat entre nous, la vidéosurveillance qui fait des débats, et on les mène, mais parfois, elle est utile. Et donc, non seulement on ne l'a pas supprimée, mais on en a remis un petit peu. D'accord ? Commissariat de plein exercice, police nationale, quand nous sommes arrivés, le dossier, vous avez raison, Madame Garcia, il était planté. Pour une raison, c'est que votre ancien maire proposait de le mettre à mon conseil et que aucun policier ne pensait pertinent, ni le préfet. Écoutez, je vous... Monsieur Bell, vous verrez, personne, l'État, moi je ne suis pas l'État, d'accord, préfet, directeur départemental de la sécurité publique, commissaire de police, nous disent, s'il vous plaît, monsieur le maire, on veut le commissariat, mais pas là où vous l'avez fléché, on ne le fera pas là-bas. Par contre, un terrain est à l'étude, et c'est la première fois que ça avance. Je me rappelle, monsieur Collomb, quand il est venu le confirmer, le lendemain d'ailleurs il démissionnait, au Tarteret, en grande pompe, il n'y avait jamais eu autant de policiers au Tarteret, à cheval, en voiture, dans l'air, partout. Il venait annoncer plein de choses, le lancement des brigades républicaines, là, et un commissariat à Corbeil. Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas comment vous en êtes occupés. Nous, c'est la première fois depuis des années qu'une ligne budgétaire dans ce ministère de l'Intérieur, aussi bien riche, bien compliqué, une ligne budgétaire est dessinée pour lancer des études. Et donc, nous sommes en train d'étudier, pour l'instant, je ne révèle pas l'endroit, un endroit bien plus approprié, et le préfet m'a confirmé cette semaine qu'ils étudiaient la possibilité de construire un commissariat tout neuf, important, sur un terrain bien plus important. On en rediscutera d'abord dans la majorité, et quand on aura validé cela, on vous en parlera. Donc en matière de sécurité, vous voyez, on n'a pas de leçons à recevoir. Et on travaille sur un sujet compliqué.
Et je le dis ici, puisqu'on nous écoute, c'est l'une de nos principales préoccupations. Vous savez pourquoi ? Et d'ailleurs, des personnes qui étaient parmi vous, sur vos listes, travaillent avec nous sur ces questions. Je pense à ce qui se passe à Palace de l'Essonne, rue du Perle-Gris, sur des foyers de concentration d'individus alcoolisés sous l'emprise de la drogue qui sèment la zizanie dans les quartiers et qu'on ne vienne pas faire les malins. Si c'était simple, vous y seriez arrivé. Je vous reconnais d'ailleurs, Monsieur Bell, de vous être préoccupé de ces questions, notamment dans le quartier d'Essonne. Nous avions fait une réunion publique, Monsieur Marin était venu. Donc nous, on dit, soyons tous solidaires sur ces questions, parce qu'il y a des habitants qui quittent la ville parce que leur quartier est devenu impossible. Si ça avait commencé depuis qu'on était là, ça se saurait. D'accord ? Donc, on travaille là-dessus, et je suis en train d'obtenir des pouvoirs de police supplémentaires du préfet de l'Essonne pour la fermeture de commerces qui posent des problèmes, en apportant des rapports de police et des faits précis. Bientôt, nous pourrons fermer, plus tôt le soir ou temporairement, des commerces, on pense à des épiceries, on pense à des bars, qui posent des problèmes de voisinage. Et vous verrez, nous serons ce que, au travers de moi, c'est l'enquête, l'ensemble de la majorité municipale qui souhaite que dans cette ville, il n'y ait pas de violence, il y ait de la sérénité. Et nous travaillons à cela. C'est compliqué, oui. On n'a pas encore gagné, quelle évidence, en 2 ans sur ces questions. Mais en tout cas, voilà, sachez que nous sommes réveillés sur toutes ces questions de sécurité sous l'impulsion d'Hervé Jacques, qui à ce stade n'a pas besoin d'être maire adjoint pour très bien faire son travail. Voilà. Je crois que les choses ont été dites. Non, excusez-moi, vous pouviez parler. Maintenant, on avance. Il y a encore quelques non, points. Je ne suis pas intervenue. Je souhaiterais intervenir. On a dit, on conclut, nous on a sommes dit, dans un lieu démocratique. Eh bien, écoutez, eh ben, allez-y, Madame Kelfi. Merci. Bah, écoutez, je n'avais pas prévu d'intervenir, en effet, initialement, et à vous écouter, oui. Je ne peux pas ne pas intervenir. Allez-y. Ne serait-ce que parce que, pas plus tard que hier, j'ai un habitant qui m'a contacté parce qu'il cherche désespérément à obtenir un rendez-vous avec vous pour des problèmes d'incivilité et de stationnement. C'est une personne qui était vraiment désespérée. C'est vrai. C'est un dossier qui démarre depuis des mois. Vous allez le recevoir le 25 mai, il me l'a confirmé, et je trouve cela particulièrement dommage que je doive écrire 2 fois à votre cabinet. Une fois le 27 avril, pour lequel vous m'avez dit que vous alliez proposer un rendez-vous. Une deuxième fois hier, en vous indiquant que je ferai une intervention au conseil municipal en ce sens, si jamais ce monsieur n'avait pas de rendez-vous. Je trouve cela vraiment dommage. Et cela me démontre, et démontre à tous ceux qui nous regardent, que ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas, la sécurité n'est pas votre priorité, ce n'est pas possible. Par ailleurs, il est important de savoir que, depuis un certain temps, on a une insécurité qui est grandissante dans la ville. Les voitures qui sont cassées, les cambriolages, les pneus crevés, enfin, c'est vous, je peux pas, on vit pas dans la même ville. Vous vivez, vous, faut redescendre sur terre. Enfin, baladez-vous dans la rue. Le nombre de personnes qui précisent qu'ils ont eu des voitures dégradées, qui ont eu des pneus crevés. Enfin, il y en a énormément. Alors oui, moi je salue toutes les actions positives qui sont faites en ce sens. Par contre, il ne faut pas non plus diminuer le sujet. Ce n'est pas aujourd'hui votre priorité. J'espère que ça va le devenir. En tout cas, moi, je le souhaite. C'est marrant, quand je vous écoute, vous faites penser à la sincérité de l'éloquence de Valérie Pécresse. Voilà. C'est lors de son premier meeting. Madame Garcia, vous vouliez rajouter moins, quelque on peut chose pas vous vouliez... pas retirer que vous avez la même éloquence que Jean-Luc Mélenchon, que voilà. Vous soutenez. Là, je Merci. Ne peux pas dire le contraire. Merci. Hein. Voilà. J'ai envie de dire, vendre du rêve à la population, il n'y a pas de problème. 46% à Corbeil-Essonne, je vous remercie. Madame Garcia. Monsieur le maire, moi je vais réagir sur un fait précis, monsieur le maire. Vous avez parlé, quand vous vous êtes dépeint tout à l'heure, vous avez parlé d'une majorité d'élus absolument incorruptibles, d'une probité parfaite, etc. Moi, je ne le conteste pas, je n'en sais rien, je ne peux pas le juger, j'attends de voir. Mais ce que vous induisez en disant cela, c'est à chaque fois que vos prédécesseurs ne l'étaient pas. Et comme j'en faisais partie, monsieur le maire, je suis fatiguée de cela. Moi, je ne vous autorise pas à dire de moi que je puisse être dans quelque chose qui serait trouble. Je vous mets au défi
d'aller dans un quelconque service, où que ce soit, et de trouver un agent, quelqu'un qui puisse dire que je n'ai pas été d'une probité parfaite, et dans les consignes que j'ai données, et dans l'action que j'ai menée. Donc, je ne vous laisserai plus me globaliser dans des attaques que je ne mérite pas. Je n'ai pas non plus eu de passe-droit qui me destinant à je ne sais quoi. Donc, c'est quelque chose qui est intolérable, monsieur le maire. Il faut que vous cessiez de globaliser et de nous dépeindre, passer pour des gens malhonnêtes. Je n'en fais absolument pas partie. Donc, ou bien vous apportez la preuve de ce que vous dites me concernant, et je vous souhaite bien du plaisir, ou alors je vous demanderai de cesser de m'associer à Jean-Denis. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, pour les élus honnêtes de l'ancienne majorité, ça n'a pas été facile. Je comprends. Qui est pour cette délibération sur les fourrières? Tout le monde? Qui s'abstient? Alors, monsieur Bell, sur la fourrière, vous abstenez? D'accord, tout le monde s'abstient, sauf monsieur Raymond. Non. Il s'abstient aussi sur la fourrière. Non, très bien. Ah, oui. Alors, l'ensemble de l'opposition. Je vous remercie. On va parler de culture maintenant, pour détendre l'atmosphère, Oscar. Oui, un peu de culture pour détendre l'atmosphère, parce que c'est vrai que il se passe quand même des choses dans la ville. Il y a aussi des belles choses qui se passent en ville, notamment grâce aux associations et à certaines associations qui font un très gros travail. Ici, on va parler de la Société d'art, qui, comme chaque année, va organiser une exposition collective à la Commanderie Saint-Jean. Donc, dans le cadre du développement de la vie associative et culturelle de Corbeil-Essonne, le conseil municipal est invité à autoriser la mise à disposition à titre gratuit de la Commanderie Saint-Jean du 3 juin au 8 juillet 2022 inclus, au profit de l'association La Société d'art, pour l'organisation d'une exposition. Voilà, y a-t-il des questions? Tout le monde aime la Société d'art à Corbeil-Essonne. On connaît la valeur de cette association. Eh bien, qui s'abstient pour cette délibération? Qui est contre? Je vous remercie. Merci Oscar. C'était rapide. Belle semaine devant toi. Alors, c'est Madame Louze maintenant. Alors, allons-y. Bonsoir. Donc, mise à disposition d'un local municipal mutualisé situé 2 Place Vaillant-Couturier à Corbeil-Essonnes. Approbation de la convention de mise à disposition au profit de l'association berbère de Corbeil-Essonnes d'ici et d'ailleurs et de l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition au profit de l'association Casa de Hispania. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonnes, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition mutualisée à titre gratuit du local situé 2 Place Vaillant-Couturier à Corbeil-Essonnes au profit de l'association berbère de Corbeil-Essonnes d'ici et d'ailleurs, ainsi que l'avenant numéro 1 relatif à la convention de mise à disposition au profit de l'association Casa de Hispania, et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des questions? Tout le monde défend la Casa de Hispania. C'est bon, pas d'abstention. Qui est contre? Il y a une abstention, avec Oumar, là, 2 abstentions. Et puis là-bas, Diana aussi, 3 abstentions. Et tout le monde est pour autrement? Merci. Ensuite, pour les naturalistes de Corbeil-Essonnes. Allez-y. Mise à disposition d'un local municipal au profit de l'association Cercle des naturalistes de Corbeil-Essonnes et environ. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonnes, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition d'un local municipal situé 1 et 3 rue Bernardin de Saint-Pierre et 4 rue du Petit Pont à Corbeil-Essonnes à titre gratuit au profit de l'association Cercle des naturalistes de Corbeil-Essonnes et environ et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. En fait, c'est un local qui était dans l'association était déjà dedans depuis des années mais qui n'avait plus de convention et donc on a fait un avenant à la convention qui était établie il y a 5-6 ans. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui s'abstient? Les mêmes. Qui est contre? Personne. Tout le monde est pour. Qui est pour? Merci beaucoup. Il y a des questions. Merci Sophia.
Excusez-moi, il y a quelques questions, donc on va les écouter. Il y a des réponses précises et rapides. Vous avez annoncé les travaux du projet de la place. Vous avez annoncé les travaux du projet de la place historique de Montconseil lors d'un précédent conseil municipal. Aujourd'hui, les habitants nous indiquent que vous allez lancer les travaux prochainement avec le promoteur. Pourriez-vous nous indiquer clairement quelles sont les étapes à venir et prévues pour ce projet ? La population a-t-elle été concertée ? Quand est-il prévu que les travaux soient terminés ? Vous n'ignorez pas la situation sur le quartier de Montconseil et tout particulièrement celle du centre commercial pour lequel nous avons lancé un projet de requalification. Une première réunion publique a eu lieu le 23 septembre 2021, annonçant le principe d'aménagement d'une place avec un rez-de-chaussée actif et des logements au-dessus. Une seconde réunion publique est en cours de programmation avant l'été. Ce projet immobilier porté par Cogedim Immobilière 3F est en phase de négociation et d'acquisition amiable. À ce jour, la majorité des copropriétaires, des propriétaires des locaux commerciaux ont été contactés. Seuls 3 propriétaires restent pour le moment injoignables. Sur 30 propriétaires, 7 procédures d'acquisition vont être lancées prochainement. Le processus d'acquisition, on le sait, prendra un certain temps, de telle façon à privilégier le dialogue avec les occupants des locaux commerciaux actuels. Le projet immobilier est en cours de discussion avec les 2 opérateurs, avec différentes hypothèses, mais devrait comporter du logement en accession, une résidence intergénérationnelle, un rez-de-vie actif d'environ 1400 m². Au-delà des 2 réunions publiques, la commune organisera des ateliers avec les habitants pour travailler sur les aménagements des espaces publics et un dépôt de permis de construire est envisagé au plus tard en septembre et un calendrier pourra être précisé. Deuxième question, subvention à l'association Swim Academy. Peut-être, on va les lire, monsieur le maire, on les a, les questions, on peut les lire. Ah bah allez-y. Alors... Deuxième question. Nous avons appris par les réseaux sociaux que l'association Swim Academy aurait reçu une subvention de la communauté d'Aglo d'un montant de 50 000 euros votée par l'élu au sport pour une adhérente. Pourriez-vous nous donner des précisions sur cette association ? Bon, je réponds à la question. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, première remarque, je m'étonne un petit peu que cette question arrive en conseil municipal et pas en conseil communautaire, étant donné qu'il s'agit d'une subvention votée par la communauté d'agglomération. Donc on y reviendra. J'apporte néanmoins quand même quelques petites précisions et une réponse, puisque comme l'a dit monsieur le maire en préambule à ce conseil municipal, nous sommes de grands démocrates, et donc on peut quand même apporter quelques éléments. La Swim Academy Grand Paris Sud est un club de natation de haut niveau, essentiellement soutenu par des partenaires privés. Il est entraîné par le directeur du stade nautique Gabriel Menu de Corbeil-Essonnes. Et du fait de son implantation sur le territoire, nous avons été sollicités pour mettre en place un partenariat actif avec la Fédération française de natation et l'INSEP. En effet, ce club souhaite accompagner les athlètes vers l'élite sur le plan national et international, mais il souhaite aussi faire bénéficier de ses compétences et de ses moyens dans le cadre de partenariats avec les clubs sportifs locaux, donc de Corbeil-Essonnes. À ce titre, un centre d'accession et de formation vient d'être labellisé par la Fédération française de natation au niveau du stade nautique Gabriel Menu, donc sur Corbeil-Essonnes. La structure identifiée pour ce CAF, centre d'accession et de formation, est la Swim Academy Grand Paris Sud. En outre, un partenariat a été initié avec les associations sportives telles que l'ASE Les Dauphins, ou encore à destination des scolaires avec le collège Saint-Spire ou le lycée Saint-Léon. Enfin, je tiens à informer que GPSCE Aquatique est sur une démarche identique de labellisation en tant que centre d'accession et de formation en cours de validation concernant la natation artistique. C'est dans ce cadre que Grand Paris Sud a procédé à un examen de leur projet et propose effectivement un soutien financier. Pour l'année 2022, cette décision n'a pas encore fait l'objet d'un vote à l'Assemblée délibérante. Elle sera présentée à la prochaine séance, proposition d'un financement à hauteur de 50 800 euros. Il s'agit d'une subvention, le cadre c'est subvention pour le fonctionnement du club et 2 athlètes sur liste ministérielle. Le budget total de subventionnement des associations sportives par Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart s'élève à 752 300 euros et d'autres associations sportives de Corbeil-Essonne sont concernées par ces subventions, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Enfin, s'agissant d'une délibération présentée lors du Conseil communautaire de Grand Paris Sud, l'acte est tout à fait public.
Je ne peux que vous encourager à suivre les débats qui auront lieu lors de cette instance communautaire plutôt que de vous référer aux échanges qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Question 3. Merci. Monsieur Breton. Le directeur du stade nautique informe la population que la municipalité est partie prenante de la résidence pour l'accueillir des sportifs de haut niveau. Est-ce vrai? Avez-vous des précisions? Bon, là aussi, j'y réponds. C'est dans la continuité de la précédente question, la question 2. Donc, comme je vous l'ai dit, la Fédération française de natation a sollicité la ville de Corbeil-Essonnes dans le cadre de leur projet d'école de formation. Je ne reviens pas sur le détail que je vous ai donné précédemment. Au regard de cette sollicitation, le cahier des charges comportait notamment le fait de trouver des hébergements pour ces sportives et sportifs, de façon à permettre aux stagiaires de pouvoir poursuivre leur cursus scolaire et leur entraînement sportif de haut niveau à Corbeil-Essonnes. À moyen terme, le futur programme de chambre étudiante en centre-ville devrait permettre de répondre à ce besoin. Néanmoins, la temporalité de cette réalisation nous obligeait à trouver une solution transitoire que nous avons donc étudiée. À court terme, la décision a été prise de positionner temporairement le centre d'hébergement pour sportives et sportifs de haut niveau dans l'enceinte du Clos des Pinsons. Ce vaste domaine qui est propriété de la ville de Corbeil-Essonnes depuis le dernier conseil municipal va donc pouvoir servir de lieu d'accueil pour un projet d'ampleur, à même d'apporter un rayonnement à Corbeil-Essonnes, et ce, dans le cadre d'un projet sportif qui s'inscrit pleinement dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et dans la politique sportive que nous souhaitons mener pour notre ville. Merci Rénal. Question numéro 4. Des administrés nous interpellent sur l'état du mobilier urbain de la commune et de la communauté d'agglomération. Il est fortement abîmé, dégradé, parfois arraché ou sectionné. Pourriez-vous demander à vos services de nous communiquer un planning de remplacement et d'entretien de ce mobilier? Oui. Nous nous sommes engagés dans une réflexion sur le mobilier urbain et sa fonction dans la mise en œuvre du projet d'une ville conviviale, accueillante, sécurisante et favorisant le vivre ensemble. Avec ces objectifs, un nouveau marché de renouvellement du mobilier urbain est en cours de finalisation. Le calendrier projeté est une attribution à l'automne, avec ensuite une première étape, un remplacement des mobiliers dégradés, puis un travail d'implantation de nouveaux mobiliers. Dans la période intermédiaire, le service cadre de vie continue de réaliser des interventions de réparation lorsque celles-ci sont possibles sur le mobilier actuel dégradé. Je rajoute qu'on aura l'occasion de vous le présenter. Nous avons recruté un nouveau directeur des services techniques qu'il fait le tour avec ses compétences d'ingénieur. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus d'ingénieurs dans cette ville, le grade d'ingénieur quand nous sommes arrivés. Il y en a 3 aujourd'hui. Et c'est des compétences particulières. Et pour diriger un service technique, il vaut mieux être ingénieur. Et que le diagnostic qu'il nous fait, et c'est pas que tout ça s'est usé depuis 2 ans, notamment des jeux pour enfants, mérite d'être tous urgemment réparés, parce que vous nous avez laissé des jeux pour enfants dangereux, très dangereux, toboggans, etc., etc. On vous donnera le diagnostic, de sorte que nous sommes effectivement impatients de passer, de lancer ce marché sur lequel, entre autres, Frédéric travaille, et d'agrémenter nos quartiers de jeux pour enfants, de bancs, de mobilier urbain digne d'une ville de 56 000 habitants. Question numéro 5. Vous n'êtes pas sans ignorer que les bungalows de chantier situés sur le site Pablo Picasso au Tarteret ont subi un incendie. Avez-vous des précisions sur l'origine de cet incendie? Est-il d'origine criminelle ou accidentelle? Et cet événement aura-t-il des incidences sur la date de livraison des logements? Alors, si la question c'est de savoir si on est au courant, oui, on est au courant. On est aussi au courant depuis 2 ans de la mise en examen, voire de l'incarcération de certains employés communaux que vous aviez embauchés. Et la procureure de la République nous a juste signifié, puisqu'il y a le secret de l'instruction, que ces agents communaux, certains ne le sont plus, étaient mis en cause pour du racket sur les chantiers et l'incendie d'engins. Peut-être vous en saurez plus que nous, puisque ce n'était pas nos agents. Voilà. Et donc, nous prenons ça, évidemment, très au sérieux. Ça a à voir avec la justice, avec la police. Donc je ne rentrerai pas
dans les détails du travail que j'entreprends avec ces autorités sur ces questions. Et vous verrez, nous arriverons à mettre un terme à ces personnes pas très courageuses qui, au petit matin, lancent des cocktails Molotov sur des engins de chantier, dégradent des constructions dans une ville où il y a 4000 logements demandes en attente et où l'offre de logements neufs qu'on construit, nous avons affaire à des criminels et ils finiront en prison. Autre question. Nous sommes régulièrement alertés par les habitants sur la propreté et l'entretien des espaces verts. Ces derniers ne sont plus tondus et les arbres pas taillés. Un effort sur ces deux points est-il prévu ? La collectivité travaille à la gestion d'intervention en sectorisation sur la totalité de la collectivité, aussi bien dans le pôle du service espace vert que sur le pôle du nettoiement. Ce dispositif devrait nous permettre d'effectuer un travail dans le détail. Nous travaillerons également à la mise en place d'une gestion calendaire appliquée à chacun de ces secteurs. Cela nous permettra d'avoir un suivi très précis de chacune de nos interventions sur chacun de nos parcellaires. Nous restons tout de même très à l'écoute de chacune des réclamations faites par nos usagers grâce à nos systèmes de standards et à la mise en place tout récemment, enfin, d'une brigade verte à Corbeil-Essonne avec de nouveaux recrutements, de la mobilité interne, de sorte qu'on puisse apporter des réponses plus qualificatives et plus rapides aux exigences légitimes des habitants. Dernière question. Lors de vos visites dans les associations concernant l'entretien des locaux, vous auriez dit que c'était au club de trouver les financements pour leurs travaux. Pensez-vous que la subvention municipale puisse servir à entretenir le patrimoine de la ville ? L'excellent maire adjoint au sport va vous répondre. Ça me met la pression, là, ce que tu viens de dire. Bon, les subventions allouées aux associations ou aux clubs ne sont pas destinées à entretenir le patrimoine de la ville. Les subventions sont destinées à la pratique sportive, conformément aux objectifs partagés entre les clubs ou les associations et la ville dans le cadre de contrats d'objectifs. À court terme, elles seront versées dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens, conformément à la loi. Néanmoins, des projets importants en matière d'investissement lourd peuvent faire l'objet de subventions d'investissement s'inscrivant dans un plan de financement institutionnel multiple supporté par l'association à partir de fonds propres disponibles. En effet, une association peut dégager certains excédents qui serviront à financer d'éventuels projets de développement. C'est dans ce cas précis que les associations peuvent intervenir afin de permettre d'éventuels travaux de transformation pour l'évolution des pratiques. D'ailleurs, les appels à projets sont régulièrement lancés par les institutions publiques pour le cofinancement de projets associatifs. Ce dispositif est particulièrement utilisé dans le cas où le patrimoine est privé. Dans le cas inverse, c'est toujours la ville qui est chargée de supporter les travaux en tant que maître d'ouvrage. Voilà, merci. Fadila, tu voulais dire juste un tout petit mot, Fadila Chourfi. Oui, monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais dire un petit mot, puisque je pense que d'ailleurs, c'est peut-être la raison de la présence d'une partie du public ce soir. Nous avons prochainement donc des élections et nous en avons eu d'ailleurs précédemment. Et nous avons un petit peu quelques soucis à tenir les bureaux de vote. Et donc là, je voudrais m'adresser à l'ensemble des élus et en particulier aux élus de l'opposition pour dire qu'il me semble que ça fait partie des fonctions de tout un chacun élu de tenir et de fournir des assesseurs dans les bureaux de vote de manière à ce que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions pour les électeurs, pour le personnel qui est aussi présent. Et donc j'espère que vous allez faire cet effort, ce qui par ailleurs vous évitera peut-être de faire des procès en fraude diverses et variées à l'occasion. Voilà. Merci. Merci. Allez, venez, qu'on surveille tous le bon déroulement des opérations électorales. Vous êtes bienvenus. Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 juin. Bonne soirée à vous. Merci.